ça. Donc, on va travailler cet après-midi sur les 5 piliers de la santé donc, que je vais vous présenter. Je vais essayer de vous donner un chemin de travail dans votre exploitation et puis qui va être balisé de choses à mesurer. Alors, on le fait pas, peu importe. Mais on le fait mesurer, j'en sais rien. Mais de baliser un petit peu les choses pour comprendre ce qui se passe dans votre ferme et vous assurer que ça reste à l'équilibre, puisqu'on verra que les troubles de santé, ce n'est que l'expression d'un déséquilibre. Alors, qui s'est installé tout seul ou qui s'est installé du fait de la main de l'homme. Hein. On est un peu responsable parfois de ce qui nous arrive. Donc, est-ce qu'on peut essayer d'anticiper les choses? Alors, cette méthode, elle peut s'appliquer au sol, elle peut s'appliquer aux végétaux, elle peut s'appliquer aux animaux, elle peut s'appliquer à vous-même en tant qu'humain. Voilà. Alors, à vous, vous ferez votre choix de ce que vous voulez faire. Alors, c'est une formation que ça va être difficile de la boucler dans l'après-midi parce que, en fait, nous on fait beaucoup de formations pour les agriculteurs depuis une trentaine d'années. Et puis forcément, souvent, on a un programme donc, qui évolue sur une douzaine d'années pour eux. Donc, on fait les sujets les uns après les autres. Puis souvent, celui-là, il vient à la fin parce que c'est un sujet un peu transversal qui reprend les autres. Alors, on a choisi de vous économiser 12 ans cet après-midi, mais peut-être que ce sera un peu difficile à certains moments, je l'espère pas, mais... Et puis, se familiariser avec une autre approche sanitaire de votre troupeau, une autre façon de voir les choses. Alors, c'est la nôtre, hein. Je m'excuse, c'est peut-être pas la vôtre, mais vous en ferez ce que vous en pouvez, vous en voudrez. Alors, vous avez vu que j'ai un accent à la con. Hein. Alors, moi, je suis né ici, là, à la frontière suisse, à côté de Bâle, là. Enfin, né à Besançon d'une mère franco-suisse. Alors, je vais m'excuser un petit peu pour ceux qui ne sont pas de l'Est, mais j'ai un peu un cerveau qui est un peu un casque à pointe et puis un cerveau un peu comme ça. Donc, j'aime pas les trucs un peu aléatoires. C'est pour ça que je fais beaucoup de mesures. J'ai partagé mon enfance entre deux régions principales. Ici, dans un petit village entouré de la Suisse, presque assiégé par la Suisse. Et dans des modèles agricoles, celui de mon grand-père qui était un modèle herbe, vache laitière, avec de la betterave et quasiment pas d'amidon. Et qui est devenu en quelques années un modèle à 100% maïs vache enfermé en logette avec robot. Et c'est assez dramatique ce qui s'est passé. Bon, et puis après l'autre partie de ma vie, comme on est tout près du Jura, l'autre partie de ma famille, c'est à Montbéliard, au pâturage, 160 jours par an, à fourrager en verre 50 jours par an, mangeant du foin de regain, des betteraves, un tout petit peu d'orge, pas beaucoup d'aliments. Et finalement, avec un état de santé, une longévité des animaux qui n'est quand même pas tout à fait la même. Peut-être qu'on n'a pas tout à fait la même productivité à l'année, mais le modèle économique n'est quand même pas tout à fait le même, hein, ni le modèle humain. Donc forcément, gamin, vivant dans ces deux milieux, eh ben, quand j'ai choisi de faire l'école véto, c'était pour trouver des réponses à ce que je voyais dans les fermes de mes parents, grands-parents, et oncle et tante, parce que je ne comprenais pas que dans la ferme de mon oncle alsacien, ça crève autant qu'un curé peut en bénir, et puis que dans la ferme de mes autres oncles, ben finalement, l'état de santé des animaux n'était quand même pas le même, et je n'avais pas les déclics. Donc j'ai dit, j'irai à l'école véto, mon objectif étant de sortir d'école véto pour ne pas soigner d'animaux malades. Alors, j'allais déjà dire que ça part déjà mal, mais ça a toujours été mon chemin de vie. Voilà, alors actuellement, je vis, quand j'y suis, dans ce village horrible qui est ici à la frontière belge. Pourquoi? Parce que c'est central pour moi, qui travaille, on va dire, principalement sur 5 pays. Et puis ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir des vaches, des moutons, des chèvres, dans tous les systèmes d'élevage de plaine d'altitude, de bord de mer, séchant, humide. Peu importe, on a décidé de poser son cul ici. On a décidé de poser le siège social ici. Vous ne changerez pas le climat, c'est à nous de trouver des adaptations pour que ça se passe bien avec nos animaux, là où on a décidé d'être, et lui de faire au mieux. Hein. Alors je ne travaille pas tout seul, pour ceux qui sont venus ce matin, je travaille avec Gilles, alors, parce que je vais vous montrer que dans les 5 piliers de la santé, ben, forcément, il faudra à un moment donné vous occuper de l'eau, vous occuper des sols, vous occuper peut-être de quelque chose qui préoccupe certains et pas d'autres, mais qui est la géobiologie du lieu. Hein. Donc lui, c'est plus sa vocation, Chantal Philippe, qui a été agricultrice pendant des années en zone comtée. Peut-être un jour vous aurez l'occasion, je vous l'amène. Donc elle, sa spécificité, c'est les parcours fourragers, la restructuration des parcours fourragers, remettre les vaches à l'herbe qui n'y sont plus. Voilà, ça c'est son métier. Hein. Voilà. Et puis moi, vous verrez cet après-midi.
Voilà, alors notre travail depuis, on est tous vieux, hein, enfin vieux au sens que, on n'a pas ton âge, on a tous à peu près 54-55 ans. Donc je vais quand même vous retranscrire 30 ans de réflexion quotidienne, journalière et nocturne, parce que nos cervelles ne s'arrêtent jamais, pour comprendre, trouver, essayer de mesurer. Le but, ce n'est pas de maîtriser le vivant, hein, parce que ça, ce serait une grande prétention, mais au moins essayer de l'orienter dans le sens où il est positif pour nous et les enfants et puis les animaux. Alors, on va le voir cet après-midi, vous avez deux grands domaines dans vos fermes. Hein. Il y a une partie que moi j'appelle le jardin des vaches. Hein. C'est là où on essaye de produire le casse-croûte de nos animaux. Alors, on le verra cet après-midi. Si on veut que ça se passe bien sur les animaux, ça fonctionne comme en dessous. Ça fonctionne comme en dessus. Ce que j'ai dessus, est-ce que ça va être correct pour les animaux? Est-ce que ça va mettre en équilibre ce qui est dessous? Est-ce que je gère bien mes matières organiques? Parce que normalement, vous, dans des fermes d'élevage, vous n'êtes pas censé acheter d'engrais. Chez nous, les Suisses diront, on met de l'engrais pour aller chercher les 2 tonnes de matière sèche au-dessus des 17 tonnes de matière sèche produite à l'hectare. Mais bon, nous, on n'en est pas là. Hein. Et puis, qu'est-ce que je sème pour mes animaux? Parce qu'on peut s'aimer tout et n'importe quoi, mais qu'est-ce qui est intéressant pour ces animaux? Il n'y a pas qu'une notion de volume, il faut que ça se passe bien dans la chaudière. Hein. Ouais, puis après, il y a la partie élevage qu'on va voir. Donc, il y a un fil conducteur qui va être... que vous devrez toujours avoir, c'est l'eau. Parce que l'eau, dans les champs, vous ne faites rien sans. Avec les végétaux, c'est compliqué s'il n'y en a pas. Dans les animaux, c'est compliqué si ça ne fonctionne pas. Et puis, ce qui ressort des animaux, je suis désolé, mais ce qui sort au trou de cul derrière, il y a plus d'eau qu'autre chose. Donc, il y a plutôt intérêt que les messages qui vont être transmis par l'eau dans l'interface de ces milieux, il y a plutôt intérêt que ce soit des messages qui soient cohérents et positifs et puis que ça ne tourne pas à l'envers. Alors, bien entendu, il y a à s'occuper du milieu de vie au sens des bâtiments. Je dis toujours aux agriculteurs, le bâtiment qui ne vous emmerde pas, c'est celui que vous n'avez pas. Donc, quand elles sont dehors en prairie, tu n'es pas emmerdé par le bâtiment que tu n'en as pas. Par exemple, ils vont aller se mettre où ça leur plaît. Dedans, ce n'est pas la même chose. Il y a plutôt intérêt que ce soit fait à peu près comme il faut. Voilà. Et après, on a dit se passer du veto. Bon, nous, on fait beaucoup de formations pour les vétos. Et vite comprendre que le formatage dans lequel on nous met à l'école, on est sorti du cadre. Hein. Je suis désolé, hein, mais le cadre dans lequel on a voulu m'enfermer il y a 35 ans, il y a longtemps qu'il est tronçonné. Et puis qu'on est hors cadre. Voilà, donc on essaye quand même de réfléchir avec les vétos. Pour moi, ça me paraît illusoire de maîtriser la santé d'un troupeau sans médecin. Alors après, il y a médecin et médecin. D'accord ou pas? Ça me paraît difficile de maîtriser votre santé à vous sans médecin. Mais dans les disciplines médicales, il y a du choix. D'accord? Je veux dire, ça me paraît difficile d'envisager de maîtriser la santé, que ce soit la sienne ou celle des animaux, sans avoir un médecin. Alors après, quel médecin, ça c'est autre chose. Voilà, donc c'est notre rôle aussi, peut-être de scier le cadre de mes confrères et puis de les emmener à faire chez vous autre chose que ce pourquoi vous les appelez. D'accord? Parce que mine de rien, ils ont quand même eu un formatage à l'école pour enclencher des mécanismes de réflexion là-dedans. Il faut savoir utiliser ça à bon escient. D'accord? Voilà. Alors, notre rôle cet après-midi, ce sera effectivement d'aller regarder avec un fil conducteur, la bioélectronique en est un. Donc, qu'est-ce qui se passe sous vos pieds? Qu'est-ce qui se passe au-dessus? Qu'est-ce qui se passe quand les animaux le mangent? Qu'est-ce qui est restitué au sol? Est-ce que tout ça, ça va bien? J'ai pour ambition de croire que quand tout ça va bien, l'éleveur va bien. Je pense que c'est la vocation de votre message. Donc, la vache heureuse, on ne peut pas avoir de vache heureuse sans avoir un humain qui va bien dans sa tête et dans son corps. Elle ressent tout ce que vous ressentez. Si vous allez le matin à la bergerie ou à la chèvrerie ou dans l'étable avec la tête en vrac, je vous promets que vos vaches elles seront en vrac aussi. Ça ne peut pas être autrement. Donc, comment on peut faire pour aller au contact de ces vaches avec le meilleur état d'esprit tous les jours? Si on va avoir un bon état d'esprit, c'est déjà quand on ouvre la porte du bâtiment, il ne faut pas avoir la trouille de ce qu'on va trouver derrière la porte. Il faut y aller tranquille parce qu'on sait que ça va bien se passer. D'accord? Alors ça se construit. Alors, on va parler des 5 piliers de la santé, puisque vous avez quelque part à mesurer pour vous assurer au cours du temps que les choses sont à l'équilibre. Quand je suis sorti de l'école, je peux faire un raccourci de mes 7 ans d'études. La maîtrise de la santé, ben, c'est soigner les malades, c'est euthanasier les causes perdues,
C'est envoyé à l'abattoir, ce qui est encore mettable à l'abattoir, donc un certificat d'abattage. La prévention repose sur vaccination, hygiène, propreté, désinfection. Voilà, on a fait simple, 7 ans d'études pour apprendre ça. C'est court, mais c'est à peu près ça. D'accord ? Et puis maîtriser un peu le parasitisme. Il me dit, quand je suis sorti de l'école, il y a 35 ans, je lui ai dit, mon vieux, avec ça, tu vas être le champion du monde. T'es le champion du monde 2 semaines. 1 semaine si ça va mal. Et tu te dis, ah, c'est pas avec ça que tu vas y arriver, garçon. Il en manque un bout. Et donc tu passes ta vie, tes nuits et tes jours, à trouver le bout qui te manque. Et puis au bout de quelques années de pérégrination, un peu partout dans le monde, tu te rends compte que la maîtrise de la santé, il y a différentes façons de l'avoir dans le monde. Si vous intéressez à la médecine chinoise, les 5 piliers de la santé, c'est quoi ? S'occuper de l'hydratation. Alors, je ne parle même pas de médecine, mais on va parler d'anticipation au sens de construire les choses bien avant que les choses ne dérapent vers la maladie. Donc le premier pilier, c'est s'occuper de l'hydratation. Donc forcément, cet après-midi, on verra comment vous, simplement, vous pouvez évaluer que l'hydratation de vos animaux, puis même la vôtre, hein, puisque vous êtes le même outil, elle est correcte. Parce que si on n'a pas ça, moi je ne sais rien faire. Alors, je suis parfois un peu violent, mais parfois on arrive dans des exploitations, parce que le motif d'appel, c'est régler un problème X ou Y. Première chose qu'on regarde, c'est l'hydratation. Si l'hydratation n'est pas en ordre, parce que le système n'est pas organisé pour que les animaux puissent boire, je dis à l'éleveur, premier point, hydratation, voilà le business plan pour mettre l'hydratation à niveau. Quand ça c'est fait, tu me rappelles. Pas la peine de passer à la suite. De toute façon, ça ne marchera pas. Ça vous choque ? Qui regarde l'eau chez vous ? Qui évalue l'hydratation des animaux ? Levez le doigt. Oui, un, deux. Non, mais honnêtement, qui d'entre vous s'assure qu'il y ait une hydratation correcte des animaux ? C'est quand même pas le référentiel courant des gens. Hein ? Alors, vous avez déjà été sensibilisés, forcément, mais nous qui courons la France faire des formations d'éleveurs, c'est pas dans le référentiel. J'ai même envie de vous dire, à part l'animal déshydraté, le vétérinaire va venir faire une perfusion, là, bien entendu, il s'occupe de l'hydratation, mais on est avant les planches. Hein. Puis souvent, il y a les planches quand même après. Donc, c'est vrai que c'est pas le souci. C'est pas le souci quotidien, parce que c'est pas dans le référentiel, on va dire, la plupart des personnes. Le deuxième point, ce sera la nutrition, que ce soit dessous, dessus, ou les animaux, ou vous. Hein. Comment j'évalue que cette nutrition est à l'état d'équilibre, puisque c'est le déséquilibre alimentaire qui va envoyer en cascade, quelque part, tous les désordres dans les milieux. Il y a une notion de garder son intégrité physique au cours du temps. Alors ici, on a des jeunes hommes, ils sont beaux, ils sont sveltes, ils ont le torse en avant, les épaules comme ça, la peau tendue. Et puis, on est d'accord que quand on prend des années de vol, on a un peu les genoux qui flanchent, les épaules qui tombent, le cou qui prend le S. C'est-à-dire qu'un des processus du vieillissement, c'est quelque part, de vos animaux et de vous-même, c'est une déstructuration physique qui est progressive et c'est une notion qui est purement minérale, au sens de perdre le stock de calcium, phosphore, magnésium, silicium, sodium, potassium, chlore que vous avez en vous. Alors c'est ou tous, ou certains, ou un déséquilibre entre eux. Et nous, on le voit bien qu'ici, en Europe, tu peux prendre des Primostein avec une carte génétique X, tu vas l'avoir à Rouen dans un système maïs et tu vas l'avoir en altitude en Suisse. C'est bizarre, il y en a une au bout de 2 ans, elle est foutue. Elle ressemble à une gordinie à 18 mois de lactation. Et puis en Suisse, elle tambourine à 40 litres de lait par jour et c'est encore une top biche au bout de la 5e lactation. Je dis, c'est bizarre, ça peut quand même pas être génétique ce truc-là. Elle a produit 4 fois plus de lait que l'autre et elle tient encore debout. Non ? Tu te poses des questions ? C'est pas génétique, ça. Mais, hein, c'est... J'ai pas dit ça. Je dis, je vais vous percuter. Mais ce que je veux dire, forcément, tu vois que des animaux, dans des fermes, au bout de lactation, elles sont détruites. Et il y a des exploitations, des animaux, sur le plan musculo-squelettique, même en produisant des quantités de lait phénoménales, elles ne se déstructurent pas. Ça, c'est une notion qui est acido-basique et minérale. Et donc là, je vous expliquerai cet après-midi comment vous pouvez mesurer ça. Alors après, le quatrième pilier, c'est une notion purement environnementale au sens de la qualité de l'air que vous respirez. Alors, c'est la non-compaction, l'aération du sol, et savoir valoriser de l'azote de l'air du sol, d'accord, et puis pas dégager de l'H2S, du CH4, du CO2 dans le sol. C'est
ce que respire la plante, c'est ce que respirent vos animaux, et ce que respirent vos animaux, c'est ce que vous respirez, vous. On est d'accord ou pas? Donc, et ça, pour des animaux, surtout en bâtiment, la qualité environnementale de l'air, elle est intimement liée au réglage de la chaudière. Si ça pétarade et ça fume derrière, c'est compliqué. D'accord? Donc, avant de se lancer dans des travaux gigantesques sur des bâtiments, qui sont fort coûteux, on commence déjà par le début, c'est de régler la chaudière pour que ça pétarade pas et que ça fume pas. Puis quand on a fait ça, peut-être gagner un peu d'efficacité alimentaire, puis un peu de taux et puis un peu de santé. D'accord? Alors on verra ça, c'est essentiellement des notions d'équilibre alimentaire et d'espèces végétales. Et puis ensuite, il y a le cinquième pilier qui s'appelle le bien-être. Et le bien-être pour nous, c'est essentiellement un problème d'équilibre hormonal. Est-ce que vos vaches ou est-ce que vous-même, vous sécrétez de l'adrénaline et de la cortisol? Donc c'est-à-dire que vous êtes hyper stressé, vos vaches avec. Ça, en général, pour être malade et mourir, c'est la meilleure des situations physiologiques pour être sûr de passer l'arme à gauche. D'accord? Ou est-ce qu'elles sont T4 ocytocine, c'est-à-dire qu'elles produisent de l'ocytocine, ça accouche bien, ça délivre bien, il n'y a pas de métrite, j'ai une bonne éjection du lait, ça produit du lait, elle est super zen, elle est super tranquille, sa thyroxine fonctionne bien, bonne croissance, bonne immunité, elle règle chaud, elle règle froid. Elle a un comportement, elle est bien amoureuse, il n'y a pas de problème. Alors finalement, on verra que tout au long de ce qu'on a à faire, si on rentre dans une ferme ou si vous êtes à l'intérieur de la ferme ou si votre conseiller vient autour de votre ferme, c'est au quotidien, en permanence, du premier jour de l'année au dernier, c'est toujours se poser la question, est-ce que tout ce système-là est à l'équilibre? Voilà. Et avoir les moyens de mesure au quotidien de s'assurer que le moteur il est réglé comme il faut. Voilà. Et que ça va aller dans le sens où on veut. Et on verra que le bioélectronomètre fait partie de ces appareils qui permet finalement d'avoir cette vision sur l'ensemble des milieux. Alors pourquoi? Notre métier avec vous, c'est potentialiser les sols, c'est ce que vous allez entendre pendant 4 jours, c'est potentialiser la croissance végétale et c'est faire en sorte de faire un maximum de biomasse avec un minimum d'eau. On est d'accord là-dessus? Surtout les gens qui sont dans des territoires séchants. Comment on arrive à faire autant de biomasse en ne gaspillant pas cette ressource? Et puis quelque part que cette ressource, elle revient de nos animaux, bien entendu. Alors, dans les études agricoles, quelles qu'elles soient, on vous enseigne des choses compliquées. La nature, en toute modestie, du haut de mes 55 ans, elle n'installe pas des systèmes compliqués, parce que les systèmes compliqués ne sont pas durables. On est d'accord là-dessus, Anton? N'installe pas des choses compliquées, la nature. C'est comme l'armée. En général, ils confectionnent toujours des matériels assez simples pour qu'ils durent dans le temps. D'accord? La nature, elle fait pareil. Alors, nous, on a l'art, les hommes, de le rendre compliqué et puis de le rendre incompréhensible. Mais si je veux le faire de façon très, très simple, dans la nature, qu'est-ce que fait un sol? Un sol a besoin de carbone et d'azote, vous n'entendez que ça, et il a besoin dans un rapport, on va dire, de 10 pour 1. T'es d'accord avec ça, Anton, ou pas? Bon, ça ne sert à rien de dire, ben, il faut 5% de matière organique, mais oui, mais 5 matières organiques, de quoi? Ben 5%, oui, mais de quoi? J'y mange quoi les vaches? Ben 2 tonnes. Ben 2 tonnes quoi? Ben 2 tonnes dans la mélangeuse là. Ben 2 tonnes, de quoi? Ah oui, ben de quoi? Dans quel rapport énergie et protéines? Ben d'accord, c'est pas pareil de raisonner comme ça. Donc le sol, lui, bien sûr qu'il stocke du carbone, mais une grosse partie du carbone vient de la plante, puis la plante, ben, elle en stocke forcément, puis ça va le faire manger aux animaux. Le sol valorise cet azote de l'air du sol si vous avez des plantes pour le valoriser, et puis si le sol n'est pas compacté, et puis si il y a chaleur, aération, humidité, et puis si toutes les conditions physico-chimiques et biologiques du sol sont là, mais c'est bien sa vocation. Et puis quelque part, la plante, la seule chose qui l'intéresse, c'est de récupérer de l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est le début de votre chaîne alimentaire, et puis de la nôtre. Et puis heureusement que vous êtes là, les gars. Hein. C'est que sans couverts végétaux, sans végétaux sur le sol, il n'y a pas d'énergie qui vient au sol. Et donc le système, il ne marche pas. Donc il faut des végétaux pour capter l'énergie solaire. Qu'est-ce qu'on veut? C'est de transformer de la matière, que sont des photons, en énergie électrique, que sont des électrons. Et on verra que quand on mesure avec un bioélectronimex un redox, qui est quelque chose qui est mesuré en termes de millivolts, c'est bien un courant électrique. Ce n'est que le courant électrique initié par le soleil sur les chloroplastes. D'accord? Et donc, cette énergie électrique, elle est communiquée au sol. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'énergie pour fragmenter la molécule d'eau. Casser une molécule d'eau, c'est quelque chose qui est très cohésif
Et casser une molécule d'eau, c'est très, très consommateur en énergie. Et c'est l'énergie de la plante qui permet ça. Et la molécule d'eau va être cassée pour produire des protons. Alors on verra, c'est pour ça qu'on va mesurer un potentiel hydrogène. Hein. Et puis, quelque part, libérer de l'oxygène. Ça va pour vous? Donc, on verra qu'il faut du carbone et de l'azote. Ça, on l'entend. Mais sans une source d'énergie pour pouvoir faire ce travail, ce que j'appellerais de photolyse, je casse la molécule H2O en H+, électron, oxygène, et ensuite on va pouvoir commencer à faire un travail de construction avec du carbone et de l'azote, ça n'est pas possible. Donc déjà là, on se rend compte qu'à cette étape-là, mesurer un pH, un redox d'un sol et de la plante dessus, c'est déjà intéressant. Dans la façon de comprendre, oui, cette réaction, cette alchimie se passe bien. Ça va? Donc la plante, elle va stocker ces éléments-là, elle va faire quoi? La plante, elle va refabriquer de l'eau. On nous dit toujours qu'elle l'absorbe. Non, elle en refabrique de l'eau. Elle capte du carbone, elle va le stocker sous forme de fibres, des parois, des tiges, des feuilles, des limbes. Elle va fabriquer des sucres au quotidien. Donc on verra que ça, c'est quelque chose qu'on doit mesurer, que vous devez mesurer. Vous le faites peut-être déjà avec un réfractomètre. Hein. Et puis, si elle arrive à maturité sexuelle, elle va fabriquer de l'amidon sous forme de graines. Et puis, si c'est une plante oléagineuse, elle va stocker l'énergie, le carbone, sous forme d'huile. Alors, on va se mettre tout de suite à l'aise ensemble. Les ruminants sont biologiquement pas faits, pas construits pour manger de l'huile et de l'amidon. Bing, allez, un gros caillou dans la main, ça commence bien. Mais physiologiquement, ils ne sont pas faits pour ça. Alors, on le fait. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, on le fait tous les jours. Mais je vous dis qu'ils ne sont pas faits pour ça. Donc, on devrait faire autrement. Alors, on fait ou on ne fait pas, mais on devrait faire autrement. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous allez en Afrique et vous verrez que les ruminants sauvages font quoi? Ils mangent des tiges et des feuilles, jeunes, pas à l'état de graines, puisque c'est ça qui apporte le plus, finalement, de valeur énergétique azotée, minérale et d'eau, au système qu'est le rumen des animaux. Si elles mangent des herbes sèches, les vaches sauvages, elles rejettent les graines et elles disséminent les graines dans la nature. Elles ne les digèrent pas. Nous, on s'évertue à récolter des choses en graines et à broyer les graines pour être sûr de foutre le bordel. Ça va? Alors, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas, je dis pas que c'est mal, je dis qu'on le fait. Voilà. Je dis qu'il va falloir construire peut-être, réfléchir dans l'avenir, à faire des choses où il y ait le moins possible de graines dans la ration. Un élevage de Vendée, on avait des soucis parce que, techniques pour semer le mélange. On a mis les graines dans le lisier. On a mis les graines dans la tonne à lisier et on a semé le mélange avec le lisier, comme on l'aurait fait avec une vache ne digérant pas ses graines. Alors, on avancera là-dessus tout à l'heure. Hein. Et puis donc, qu'est-ce que fait le végétal? Il stocke de l'azote sous forme d'acide aminé de protéines. Alors, la deuxième partie de votre métier et le nôtre avec vous, c'est quand on va mettre cette ressource végétale dans l'animal, hein, dans sa chaudière, hein, pour faire la combustion, quoi que vous mangiez, on ne l'a peut-être pas dit, mais quoi que vous mangiez, la seule chose qui intéresse le tube digestif d'un mammifère, c'est de récupérer les protons et les électrons. Le reste, il n'y a rien à foutre que ça vienne des protéines, des lipides, des carbohydrates. La seule chose qui intéresse votre tube digestif, c'est récupérer les protons et les électrons, puisque ce sont les deux sources d'énergie, quelque part initiées par le soleil et propagées dans les végétaux. Et l'idée qu'on a ensemble, il ne faut pas la perdre, cette énergie. Ce potentiel hydrogène, ce potentiel d'électron, il ne faut pas le perdre. Plus vous le perdez, c'est bien la problématique d'EDF. Je produis de l'énergie avec une motrice, avec un réacteur, j'ai un conducteur qui va l'emmener, je ne sais pas où, à 200-300 km. Son problème, EDF, c'est bien de perdre cette énergie. D'accord? J'en produis X ici, qu'est-ce qui restera au bout, hein? Et de ne pas perdre de la puissance dans son système. Quand vous décomposez ça dans votre tube digestif, et vos vaches le décomposent dans leur tube digestif, donc elles ont une partie qui est commune à nous, puis une partie qui ne l'est pas, hein, qui est des préestomacs, ben, qu'est-ce que fait le rumen? Il fait une digestion microbienne, à l'image de ce que fait un sol. Hein. On va dégrader toutes ces chaînes végétales, d'énergie, de lipides, de protéines, pour récupérer les électrons et les protons. Qu'est-ce que fait le système? Le carbone, une partie est transportée par les acides gras volatiles.
Une partie va sortir sous forme de gaz CO2-CH4, ça c'est retépété et c'est perdu pour la cause, sauf si vous le mettez dans un biogaz. On est d'accord ou pas? Et un biogaz, qu'est-ce qu'il fait? Un méthaniseur, il va rechercher l'énergie des 4 atomes d'hydrogène qui sont là et il rejette le carbone. Donc le carbone, ce n'est pas la source d'énergie, ce n'est que le transporteur. L'énergie est dans l'hydrogène. C'est pour ça qu'on va mesurer partout ensemble des potentiels d'hydrogène. Et on verra que la puissance d'un système est dans une légère acidité et certainement pas dans une alcalinité. Ça va pour vous? Donc, lutter contre l'acidité d'un système, c'est suicidaire. Sur le plan énergétique, pour vos ruminants. Donc vous allez tout de suite comprendre que toute la corde tampon qu'on vous met dans les vaches, il y en a déjà une bonne partie qu'on va mettre à la poubelle. Puisque la puissance d'un système est le potentiel d'hydrogène. Ça va pour vous? Une grosse partie de l'azote qui est ingérée par vos animaux va être rejetée sous forme d'urée. Alors une partie dans le lait, une partie dans l'urine. Voilà. Et donc ça veut dire que l'azote n'est que le transporteur de l'hydrogène. Alors je suis désolé pour vous, mais ça va vous attrister. On va faire une distribution de mouchoirs. Mais quand vous achetez un tourteau de soja à 400 euros tonne, 75% est rejeté. Immédiatement. Puis vous en avez encore 25 ou 26% du reste qui est rejeté dans les urines après. C'est-à-dire que la proportion d'azote qui est séquestrée par vos animaux, c'est que dalle. Vos vaches, elles sont 0,4% de minéraux, 0,4% de matière organique, dans laquelle vous avez une petite partie du carbone et de l'azote, tout le reste, c'est de l'eau. Ça veut dire que ce que vous allez rentrer dans le système, c'est à tout repartir l'échappement. Alors si elle est en prairie, qu'elle restitue directement à la prairie, ce n'est pas un problème, c'est même très vertueux. Si la vache est enfermée à la maison, et puis qu'après les successions de traitement des effluents d'élevage font qu'on perd, c'est normal qu'au bout d'un moment, on rachète des sacs d'ammonitrate. Ça va pour vous ou pas? Ça n'est que le support du transport de l'hydrogène, puisqu'il n'y a que ça qui intéresse vos animaux. Voilà. Et donc, vos animaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont refaire ce qu'on fait les végétaux, ils vont recondenser, refabriquer de l'eau dans leurs cellules, restocker une partie du carbone sous forme de graisse, de sucre et de tissu, et rejeter une grosse partie du carbone sous forme de CO2. Et ça, c'est pas très grave. Hein. Les végétaux sont capables de l'utiliser. Et stocker une petite partie de l'azote sous forme de muscle, excréter une partie de l'azote sous forme de lait, et une grosse partie de l'azote sous forme d'élément qui a été absorbé sera rejetée. Ça va pour vous? À chaque étape, et ici, c'est pareil. Donc, on verra qu'on utilise le bioélectronimètre pour mesurer le potentiel azote, le potentiel hydrogène. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la chaudière des animaux? Ça va pour vous ou pas? Alors, ce n'est pas des notions de PDI et d'UF. Hein. Je pense qu'expliquer comme ça, c'est plus simple. On est d'accord? Bon, les PDI et UF, je n'ai jamais rien compris. Même si je fais des rations toute la journée. Ça me paraît plus facile de le comprendre comme ça. Et on comprend facilement que ce que vous apprenez ici, il y a tellement de rejets par les humains et les animaux que quelque part, l'or qui est dans vos exploitations, c'est l'effluent d'élevage. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le tas d'or. Et moi, je vois beaucoup de tas d'or qui traînent derrière les cimetières pendant des semaines et des mois. Voilà. Alors, juste se souvenir qu'à l'échelle de la plante, on va mesurer un redox, un pH. On va le mesurer pareil dans le sol qui fait travailler, qui est en interaction avec la plante. Le Brix, c'est des sucres. C'est une quantification. Quelque part des carbones qui sont fixés par la plante. Et puis, vous verrez qu'on peut utiliser, il y a des testeurs aujourd'hui nitrates qui nous permettent sur le jus de plante de quantifier directement dans la sève et dans les veines des plantes les taux de nitrate qui sont en circulation. Sachant qu'après, ben, la plante, elle le stocke, elle ne le stocke pas, elle le restitue au sol, en fait différentes choses. On est d'accord que ce qui nous intéresse, nous, c'est juste se souvenir qu'une chaîne de carbohydrates, c'est du glucose, c'est 6H12O6. La seule chose qui intéresse d'un point de vue énergétique votre animal, votre tube digestif, c'est les 12 hydrogènes. Le carbone, il est ressorti carbone caca, carbone pipi, CO2 poumon. Hop, affaire réglée, le carbone n'a été que le transporteur de l'hydrogène. Et puis, bien sûr, on a eu l'oxygène qui est arrivé. Si vous faites de l'amidon, ce ne sont que des chaînes multiples de ce que nous a montré ce matin. Puis le lactose, et ben finalement, c'est deux chaînes de glucose, et puis l'amidon, c'est N fois ça.
Pourquoi les protéines, ça fait faire tant de lait aux vaches? Parce que la structure des protéines, c'est des NaCHR-CO, c'est-à-dire qu'une protéine est un plus gros transporteur d'hydrogène qu'un carbohydrate. Donc sa capacité à amener de l'énergie au système vient de la quantité d'hydrogène qui est dedans. Mais je répète que l'essentiel de l'azote sera excrété, rejeté par vos animaux. Retour au système, en espérant que ça revienne au sol. Ça va? C'est bon pour vous? Alors, s'il y a un diapo à retenir, pour piloter la santé de vos systèmes, j'ai mis peut-être 30 ans à mettre ça dans la tête, moi. Parce que ça fait 30 ans que la cervelle, elle n'a peut-être pas tout compris encore, mais qu'elle se dit, mais comment je vais pouvoir expliquer aux agriculteurs où est la santé de leur système et où est leur santé à eux? À partir du principe que quelque part, que je sois des sols, des plantes, un système digestif, un homme, une vache, un cochon, ce que vous voulez, le but c'est de mettre du carburant dans la chaudière, deux carburants essentiels, le carbone et l'azote, alors pour le sol, un rapport 10 pour 1, et puis on le verra tout à l'heure, pour une ration de bovin, c'est un rapport UFPDI de 100, c'est pas 110, c'est pas 120, c'est pas 80, c'est pas 90, c'est 100, c'est bien un rapport entre l'énergie et la protéine, le carbone et l'azote. Je n'ai pas mis les lipides. Les lipides, qui est la troisième source, hein, puisqu'on a des carbohydrates, qui sont essentiellement des sources, amidon, sucre, fibres, les protides, qui sont essentiellement des protéines végétales ou animales, et puis ensuite les humains, les cochons, les poules, mangent des lipides. Mais les lipides, si vous mettez ça dans un tube digestif de ruminant, vous foutez le bordel. Donc normalement, les matières grasses, c'est plutôt, on essaie de s'en passer chez les animaux. C'est pour ça que je ne les ai pas mis là. Quand je mets du C sur N dans un tube digestif de bovin, j'amène une source d'énergie, j'amène une source d'azote, elles transportent des protons, elles vont déterminer un pH du tube digestif, elles vont déterminer une capacité de transport des électrons, on le verra tout à l'heure, un redox. Si je ne fais pas le con, si je suis à l'équilibre, puis si je mets un carburant très forte concentration, ce que tu peux faire peut-être sur des bovins à l'engraissement, d'accord, tu as décidé que tu es à l'équilibre, mais tu donnes ça à manger, d'accord, que tu mets du poêle et puis du charbon dans la chaudière. Et tant que c'est équilibré, ce n'est pas un problème. On peut nourrir des animaux avec des rations hyper concentrées pour faire 90 dollars, si vous voulez, par jour avec des vaches. Vous ne les mettrez pas en danger si vous équilibrez les apports. On commencera à avoir des ennuis quand on déséquilibre la ration, parce que ou on met trop de carbone, pas assez d'azote, ou trop d'azote et pas assez de carbone. C'est le déséquilibre qui est dangereux, ce n'est pas l'équilibre. Après, je peux aussi choisir d'avoir une aubrac tranquille, au foin, qui avance tout doucement, 2 de tension, 3 de pression, cœur à droite. Et on y va tranquille, ça va aussi, tant que c'est à l'équilibre. Ça va? Alors ne vous mentez pas, je vous le montrerai tout à l'heure. Vous pouvez avoir une vache au braque qui mange du foin de près, du sel de l'eau, une claque sur les fesses. Ah, c'est tranquille, hein? pH du rumen, 6,5. Tu vas aller voir une vache dans la Somme qui tambourine à 65 litres de lait par jour. Elle a une ration à chier partout. 6,5 dans le rumen, ça ne change rien du tout. La vache au braque, là-bas à l'aïeul, redox du rumen, moins 200. Dans la Somme, elle fait 65 litres de lait par jour, redox du rumen, moins 200. C'est à l'équilibre, c'est pareil. Sur le plan redox pH, strictement pareil. La puissance du système sera un peu différente, mais sur le plan de l'équilibre, il n'y a pas de problème. Maintenant, si ce n'est pas comme ça, là, c'est le début de vos ennuis. De toute façon, pour ces systèmes-là, pas de valorisation possible du carbone et de l'azote par les micro-organismes du sol. On verra que le rumen, c'est à l'image du sol, des bactéries, des champignons, des protozoaires. Impossible d'avoir ça s'il n'y a pas d'eau. Donc c'est pour ça qu'on va travailler un peu sur l'eau, parce que sans eau, vous pouvez mettre la ration que vous voulez, ça ne marchera jamais. S'il n'y a pas l'eau dans le sol, ça ne marchera pas non plus. Ça, c'est une notion de produire. Alors après, on peut rouler vite, hein, ou on peut rouler doucement, ou on peut rouler moyennement, doucement. Ça dépend comment on a envie de presser sur le champignon. Le tout, c'est de conduire en sécurité. Ça te va pour toi? J'ai 100 km pour aller faire chez toi. Je peux les faire à 200 à l'heure ou à 20 à l'heure. Je les ferai. Ça prendra pas le même temps, mais je les ferai. Et pas forcément en ayant des accidents. Sauf si je n'ai pas fait ce qu'il fallait sur ma voiture. C'est bon pour toi ou pas? Donc moi, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Nous, on accompagne des éleveurs, des tout petits troupeaux, on y va tranquille. Des gros troupeaux, on y va très vite. Des petits troupeaux, on y va très vite. Des gros troupeaux, on y va lentement. On s'en fiche. Le tout, c'est que ça reste debout et que ça dure dans le temps. Alors maintenant, si c'est à l'équilibre, vous
Vous faites digérer ça dans la chaudière. Le poumon ressort le carbone sous forme de CO2, on est d'accord? Et on va solliciter des organes que sont le rein, le foie, la matrice osseuse, les muscles. Alors, dans le meilleur des cas, pour la valorisation des rations, pour faire du lait, pour faire de la viande, faire de la croissance, dans le meilleur des cas, pour stocker du muscle, puis stocker, on va dire, de l'os, faire du développement, si je commence à faire le con là-haut, sur l'équilibre C sur N, ça, on le mesure avec un pH, puisque c'est le premier indicateur d'un équilibre ou d'un déséquilibre, eh bien, vous allez demander aux organes de faire la régulation du milieu. Je crée le bordel dans la chaudière, l'animal se met au service de faire la régulation de son milieu intérieur. C'est un peu la même image que le sol. On dit c'est la plante qui nourrit le sol, c'est la plante qui équilibre le sol. D'accord ? Si le sol est malade, la plante, ça lui coûte une énergie de fou, une quantité d'eau de fou, une quantité de minéraux de fou. Là, l'équilibre du sol, pendant qu'elle fait ça, elle ne fait pas de croissance, elle ne fait pas de biomasse, elle est malade, voire elle se fait attaquer, voire elle meurt. Un bovin, si vous, ou un humain, vous foutez le bordel dans sa chaudière, l'ensemble de ses organes ne serviront pas à faire de la production, ils serviront à faire de la régulation. Donc vous sursollicitez le poumon, donc ne vous étonnez pas d'avoir des pathologies respiratoires. Classique sur le broutard, qu'on rentre du pré, puis qu'on met à en pré-engraissement, on le repousse, mais on n'a pas mis les équilibres comme il faut, et une semaine après, on a une éclosion de pathologie respiratoire. Normal, mais on a foutu le bordel en chaudière. On n'aurait pas foutu le bordel, ça ne serait pas arrivé. Certainement pas. Vous allez solliciter quelque part la phase minérale pour faire cette régulation. C'est-à-dire que si vous avez créé de l'acidité, il va falloir trouver des cations qui sont plutôt des sources alcalogènes, sodium, potassium, calcium, magnésium, silicium, pour aller tamponner l'acidité que vous avez créée. Si vous avez créé de l'alcalinité importante, on va aller chercher des anions, qui sont plutôt des acidophiles, des soufres, des chlores, des phosphores, pour pouvoir réguler le milieu qu'on a déséquilibré. Donc dès qu'on va déséquilibrer le milieu intérieur, un sol, ou une plante, ou un tube digestif d'un homme, la régulation que vous allez demander à votre corps, elle va vous coûter des macroéléments. Je ne sais pas lesquels, mais elle va vous en coûter. Ça veut dire que matériellement, pour vous, c'est perte de production laitière, des vaches qui ne savent pas fermer les treillons entre les traites, qui perdent leur lait, donc, qui dit ça, perte de lait, puis risque mammique, puis cellule. Si c'est une atteinte sur la matrice squelettique qui devra compenser ou trouver des éléments pour faire la régulation, c'est déstructuration osseuse, boiterie, déformation osseuse, déformation musculaire, déshydratation chronique, perte de production, perte de croissance, et puis tout son train, des troubles de repos, et puis ensuite une dépolarisation des cellules. Alors vos vaches ne vivent pas assez vieilles, mais si c'est un homme, vous irez jusqu'à l'AVC, le cancer, et puis des troubles vraiment graves. D'accord ? Mais ce n'est pas ça qui va vous tuer. Ça va déstructurer vos cellules, modifier la répartition d'eau dans votre organisme, parce qu'il va falloir une quantité d'eau phénoménale pour pouvoir utiliser ces tampons. Donc ce sera au prix d'une déshydratation chronique, même si vous avez de l'eau dans votre exploitation. Ce qui risque de vous tuer, c'est la troisième phase. C'est le troisième élément, qui est l'oxydation. C'est bien pour ça qu'on va mesurer un redox. Redox, c'est bien réduction-oxydation. C'est-à-dire que si vous avez déréglé votre système sur l'équilibre C sur N, vous allez créer ou une suroxydation ou une surréduction. L'un et l'autre ne sont pas bonnes. Si vous créez une suroxydation, et si en plus vous avez dans votre chaîne sol, plante, animal, les oxydants très puissants qui arrivent, que sont l'aluminium et le fer, cette suroxydation va amener à quoi ? Va obliger l'animal à utiliser tous ses oligoéléments, toutes ses vitamines, qui sont ses antioxydants, où votre végétal va dépenser une énergie phénoménale à produire des antioxydants, parce que s'il ne le fait pas, ben, il tombe malade et il meurt. Si c'est une vache, si elle n'a pas les antioxydants pour gérer cette phase d'oxydation, elle en mourra, ça je vous garantis qu'elle en mourra, ou un homme, ce sera pareil. Voilà. Donc s'il y a quelque chose à retenir d'aujourd'hui, c'est cette diapo. Puisque quelque part, toute la santé de votre système est là-dedans. Tant que vous êtes à l'équilibre du C sur N, que vous donnez, et que vous mettez juste ce qu'il faut d'eau, de minéraux, d'antioxydants, juste pour assurer les fonctions de base de réguler le pH, réguler l'oxydoréduction, ça produit un max et c'est pas malade. Après, la puissance du système, vous la choisissez dans la densité et la qualité du C sur N que vous mettez dans la chaudière. Vous êtes d'accord là-dessus ? Si vous créez le déséquilibre pour une raison X ou Y,
soyez attentif à la variation du pH. S'il y a une variation du pH, il va falloir jouer avec ces macroéléments pour aller dans le bon sens. Alors ce sera pour vous au plus simple. On va voir tout à l'heure, ce sera un pH fécal, un pH du lait et un pH d'urine, puisque ça c'est très facile à récupérer. Du pipi, du caca, du lait, ça ne pose vraiment aucune difficulté. S'il faut commencer à aller chercher du jus de rumen et puis du sang, ça peut être un peu plus compliqué. Bon, les appareils pour mesurer un pH fécal de lait et d'urine, et puis le sol, la plante, ça coûte 150 euros, on peut être dans une grosse dépense. Si tu veux commencer à travailler sur du liquide ruminal et du sang, tu vas dépenser 3000. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. Et je pense que pour vous, on va voir que vous avez déjà commencé par des outils extrêmement peu coûteux, extrêmement simples, et qu'on peut utiliser au quotidien. On sort de sa poche, alors chez Chine-Mamois, le pH fécal, il est comment? 6,5, 6,6. Alors, pH fécal 6,2, au secours, gling, 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 le bateau va couler. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va pour vous? Voilà, alors de toute façon, quand on va en faire, mais est-ce que vous, quelque part, vous devez faire, vous, en interne? Pourquoi nous, on s'appelle 5M? C'est que quand on va dans une exploitation, on apprend ça aux techniciens, aux vétos, c'est de poser la question de ce qui est fait. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur ce qui est fait. C'est fait comment? Pourquoi? C'est quoi les croyances? Il y a papa, il y a tonton, il y a le grand-père. Qu'est-ce qui est fait sur les sols, les plantes, les animaux? Bien, pas bien, je ne juge pas. Comment c'est fait? Deuxième étape, on observe. On s'abaisse, on regarde dessous, on regarde au-dessus, on regarde les animaux, on essaie de regarder comment se marche cette interaction. Est-ce que ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Ça, je suppose que vous avez fait assez de travaux pratiques avec vous par rapport à ces méthodes d'observation, non? Ensuite, peut-être notre spécificité qu'on verra cet après-midi, c'est d'aller chercher des outils. Alors, il y a des outils simples, faciles à utiliser au quotidien pour s'assurer qu'on est dans l'équilibre ou qu'on va dans le déséquilibre. Et si on va du mauvais côté, de quel côté je vais? Et qu'est-ce que moi, en tant qu'humain, je dois mettre en place pour remettre la balance à l'équilibre? Parce que sinon, si je ne le fais pas, je vais aller ou à la sous-production, ou la déstructuration, ou la maladie, ou la mort. D'accord là-dessus ou pas? Et puis, il y a une case qui, pour moi, à mon sens, est sous-utilisée en France, c'est la case analyse au labo. Analyse des sols, analyse des fourrages, analyse des effluents d'élevage, analyse de ce qu'on peut faire dans les animaux. Bon, c'est vrai que c'est plus culturel chez les Saxons que chez les Latins, on va dire. Mais bon, voilà, donc on va regarder ensemble tout ce qu'on a regardé. Donc on regarde, on pose des questions, hein, c'est ce qu'on fait avec les éleveurs, on essaie de réfléchir qu'est-ce qui se passe, on se met ça dans la tête. Voilà alors, les outils de base que moi je vais vous proposer pour vous les agriculteurs, c'est quoi? C'est avoir des réfractomètres. Les réfractomètres, ça coûte 35-38 euros. Moi les premiers, ils ont fait 30 ans. On ne va pas être dans un investissement considérable. Ces réfractomètres sont utilisables sur les végétaux, sur les animaux et sur vous-même. Déjà intéressant. On peut mesurer des taux de Brix, c'est une vision de carbone, de sucre, c'est une vision qui est intéressante pour le colostrum, pour s'assurer de la qualité du colostrum, c'est une vision intéressante pour s'assurer que le lait qui est bu par les petits veaux, les agneaux, les chevreaux, eh ben, ça va bien se passer pour eux. De l'autre côté, peut-être celui que vous n'avez pas encore utilisé, c'est un réfractomètre à densité qui a été inventé il y a 150 ans, donc il permet de mesurer la densité urinaire, la densité du lait, et qui renseigne immédiatement sur l'état d'hydratation du système. Voilà. Donc, je vous donnerai les grilles de lecture. Hein. Une densité urinaire, c'est 1015 à 1025, c'est pas 1005 et c'est pas 1035. C'est entre 1015 et 1025. Si c'est au-dessus, c'est déshydraté. C'est en dessous, il y a un problème. Le rein foutu. D'accord? Et on le fait sur le lait. Si tu prends ton tank de lait qui produit du lait ici, hein, la première chose que je vais faire en rentrant dans la ferme, c'est comment ton prénom? Christophe. Christophe, donne-moi le lait de mélange. Une goutte sur le réfractomètre de Brix, il doit être à... C'est des Montbéliardes? 12%. Toi, tu es des 11%, 17,5. Tu dois trouver 17,5 chez lui, 12 chez toi. C'est ou c'est pas? Si c'est 9, tu sais déjà qu'il y a un problème dans la cahute. Tu l'as encore pas vu. Tu es devant le tank. Une seconde, là, derrière, ça va être le chantier. Si je prends la densité du lait, c'est 1032-1035. La densité du lait à 1040, c'est même pas la peine de me raconter des histoires.
Je te dis ce que tu as. Derrière la porte, c'est un troupeau de dromadaires. Tu comprends ce que je veux dire? Tu fais la densité du lait, elle a 1040, 1045. Ce n'est pas un troupeau de vaches que tu as derrière la porte. C'est un troupeau de dromadaires. Tu dis, là derrière, c'est des dromadaires? Ah non, c'est des Primostein. Ah non, je crois que c'est des dromadaires. Pourquoi tu dis ça? Ça ne boit pas ici. C'est pas grave, il manque 3-4 litres de lait. C'est pas grave. Mais si avec ça, tu comprends? 2 secondes. Hydraté, pas hydraté, un taux de Brix normal ou pas normal. Là derrière, ça roule ou ça roule pas? Ça va ou pas? 2 secondes. Si un éleveur doit faire ça, alors je ne dis pas qu'il va le faire tous les jours, c'est pas la peine qu'il se prenne la tête, mais peut-être quand même une fois par semaine, faire un taux de Brix et une densité du tank, tu as immédiatement la vision, c'est équilibré derrière, et ça boit. Ou c'est pas équilibré, ça boit pas. Après, tu dois savoir pourquoi c'est déshydraté, ça c'est autre chose. Mais tu as déjà l'information immédiate et tu n'attends pas les résultats du contrôle laitier dans 8 jours. Ça va ? Premier outil. Deuxième outil qu'on fait acheter aux agriculteurs, c'est ça. C'est un sol stick. C'est-à-dire, c'est un pH mètre qui a été créé pour faire du pH sur des sols. Alors, pourquoi on met ça entre les mains éleveurs ? Vous n'êtes pas des laborantins, hein. On a l'habitude d'être super clean, super propre et tout, tranquille, tout doux avec les outils. Hein. On est d'accord ou pas? Un agriculteur, ça n'a pas le temps. Donc, c'est un outil qui est solide et qui permet, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire attention avec, mais avant que vous le cassiez, il va se passer un peu de temps. Voilà, alors c'est un bon outil parce que ça coûte 150 euros. Franchement, ce n'est pas un outil qui est fragile. C'est une calibration une fois par semaine. Donc, à condition d'utiliser régulièrement. Mais de toute façon, quand vous aurez pris l'habitude, il sera dans la poche toute la journée avec l'opinion et le téléphone portable. Donc, et qui vous permet de mesurer un pH de sol par simple contact direct au sol. Alors, on prend sa bêche, on fait sa motte, on fait le pH dessus. Tu as le pH immédiatement et il est juste. Pas de souci. Tu fais le pH du lait de tank. Le pH du lait de tank, c'est 6,5, 6,6. C'est pas 6,3 et c'est pas 6,8. Si le pH n'est pas bon dans le tank, tu es tranquille, il va y avoir des emmerdes. Il n'y en a peut-être pas aujourd'hui, mais tu y vas. Tu as une vache qui est en train de chier devant toi, une bête en bonne santé, au trou du cul, ça doit être 6, 5, 6, 8. Ça ne doit pas être autrement. Tu es en dessous, je te dis que ça va se mettre à boiter, tellement c'est inflammatoire. C'est au-dessus, je te promets que tu vas avoir une flambée de chiasse de veau puis une flambée de mammite. Parce que ça, c'est des pH qui sont favorables au développement de pathogènes, mais tu ne peux pas t'imaginer. Donc, tu peux anticiper avant que ça arrive. Ça va ? Peut-être le dernier outil qu'on va vous proposer, c'est un petit redoxmètre portable qui coûte une centaine d'euros. Alors, tu peux faire mais du redox, pas sur tout, mais qui peut déjà faire du redox sur pas mal de choses. D'accord ? Donc, Mika est d'accord qu'on n'aura pas sur des investissements considérables, de réfractomètre à 35 euros, un pH mètre à 150. Un petit redoxmètre à 100 euros, et tu as déjà, à mon avis, déjà 4 outils pour commencer déjà à déblayer le terrain et puis savoir où tu vas. D'accord ? Et c'est utilisable sur vous, hein, les petits loups. Alors, les outils peut-être les plus récents qu'on s'est mis à utiliser depuis un peu plus d'un an, c'est ces outils-là, je ne sais pas si vous les connaissez, vous les avez déjà vus ? Donc, c'est des petits testeurs qui permettent, donc sur tout ce qui est liquide, alors ça a été validé sur les sols, sur les plantes, sur les humains, sur les vaches, les moutons, les chèvres, le sol, les plantes, les urines, le lait, le sang, tout est écrit, il n'y a pas de souci. Et vous êtes capable de mesurer une conductivité, principalement des liquides. On peut doser des taux de nitrate, donc ça on peut le faire au champ. La culture là, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle se nourrit bien? Hop, crac, 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 du jus. Le taux de nitrate, il est bon, il n'est pas bon. La plante se nourrit bien, se nourrit mal. Pourquoi elle se nourrit mal? Qu'est-ce que je dois faire? Ceci, cela. D'accord ? Ça va ? On peut mesurer les taux de potassium, les taux de sodium, les taux de calcium, la salinité totale. Donc ça permet déjà de déblayer une grosse partie des problématiques. D'accord ? Bon, ça, on commence à avoir des agriculteurs qui l'utilisent. Voilà. Après, il y a effectivement d'autres types d'analyses. Si on se concentre sur le pH et le redox, alors, on mesure le pH. Un redox, c'est une tension électrique, hein, je dis c'est des électrons. Hein. La résultante du calcul pH millivolt, ça va vous donner un RH2. Donc si vous lisez des ouvrages de bioélectronique, le pH c'est une mesure,
Le redox, les millivolts, c'est une mesure. Le RH2, c'est un calcul qui est fait avec le pH et le RH2. Quelqu'un est allé hier après-midi écouter M. Husson ou pas? Il a dû vous l'expliquer ça, d'accord? Donc, si je veux un équilibre, mesurer un équilibre C sur N, je veux mesurer un équilibre UFL pur PDI, je peux le mesurer différemment en mesurant un pH et un redox. Parce qu'on sait que si la ration des bovins est bien équilibrée, on sait exactement ce qu'on doit trouver dans le jus de rumen et ce qu'on doit trouver au trou du cul. C'est ou c'est pas. Si ma ration est trop riche en carbohydrates, en général, votre pH il a tendance à baisser. Et le redox, il a tendance à monter. Si vous avez trop de protéines dans la ration, ça fera normalement l'inverse. Donc déjà, en mesurant un couple pH-redox, tu as déjà une vision que la balance, elle part comme ça ou qu'elle part comme ça. Alors, tu ne sais pas peut-être précisément comment tu la remettras à l'équilibre, mais tu sais que tu es parti du mauvais côté. Si vous êtes en train de vouloir objectiver les conséquences de ce déséquilibre, parce que je vais taper sur la masse minérale pour aller rééquilibrer mon milieu là-haut, ça va coûter de la masse minérale, de toute façon, ne vous mentez pas là-dessus. Qu'est-ce que fait un bioélectronimètre? Il mesure une conductivité, une résistivité, des solides totodissous, une salinité, qui n'est que le reflet des minéraux dissous dans l'eau. Donc ça va vous donner la vision de est-ce qu'il y a ce qu'il faut, ou est-ce qu'il y en a de trop, le milieu est trop concentré, ou est-ce que le milieu est sous-concentré. D'accord? C'est peut-être pour vous les laitiers qui êtes plus familiarisés à ça, ces notions de Baca. Hein. La notion de Baca, c'est une notion d'équilibre entre des acidifiants et des basifiants. D'accord? Et puis, si on veut aller mesurer l'oxydation qui rend malade et qui tue, voilà, c'est une notion de redox, de millivolt, c'est la même chose, puisque une notion de RH2 qui est le calcul de ça. Tout ça, ça veut dire la même chose. Donc, qui nous donne la balance entre d'un côté l'oxydation, de l'autre côté la capacité de désoxydation. Alors, ce que je peux vous donner comme conseil pour vous, quand vous faites des bilans oligo-éléments sur des animaux, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de faire des bilans oligo-éléments, doser le sélénium, l'iode, le cuivre, le zinc chez les animaux, vous l'avez déjà fait ça? Les éleveurs allaitants sont souvent plus sensibles à ça peut-être que les bovins laitiers. En fait, vous mesurez la capacité de résistance à l'oxydation des individus. Les antioxydants que vous mesurez sont la capacité de résistance des animaux à l'oxydation que nous avons créée. D'accord? Alors on vous dit souvent il y a des carences. Oui, il y a des carences. Il y a surtout qu'on fait trop le con là-haut. Qu'on oxyde les animaux. Ou que le système de production végétale est un système hyperoxydatif. Je vous donne un petit conseil d'amis vous concernant. Chez l'homme, il y a une mesure qui est très facile à faire et pas très coûteuse, mais pas remboursée par la Sécurité sociale, c'est de faire doser votre déromoxy. Ça coûte une centaine d'euros, mais vous saurez peut-être 2 ans ou 3 ans avant donc, que vous êtes dans un état précancéreux. Peut-être qu'il sera temps de réfléchir pour faire autre chose, ou gérer sa vie, ou sa ration, ou gérer son mode de nutrition autrement. Ça, c'est le potentiel d'oxydation que subit votre corps, et ça, c'est votre capacité de désoxydation. Mais on peut l'avoir indirectement en mesurant un potentiel redox. Bon. Vous, ce sera facile pour vous en tant qu'humain d'aller dans un labo, vous faire une prise de sang, puis demander qu'ils envoient ça au laboratoire Barbie à Metz, et puis de faire une déromoxy. Si vous commencez à demander aux praticiens de vous faire un bilan bioélectronique, je pense que dans 20 ans, il n'est pas fait. Voilà, donc quand vous recevez vos analyses de lisier, fumier, compost et de terrain, vous devez retrouver ces informations. Vous devez retrouver l'information C sur N. Ici, j'ai un rapport C sur N de 20 sur un fumier. J'ai un sol ici avec un C sur N de 10. Il n'y a pas de souci. D'accord? Ce n'est pas ça qui va aller me désorganiser ça. D'accord ou pas? Tout au plus, je vais peut-être mettre un peu trop de carbone. Mais je dois avoir la vision pH, la vision des macros. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai sur le sol. Oui, j'ai les macros. Oui, j'ai le pH. Oui, j'ai les macros. Vous devez avoir la vision oxydoréduction des oligos, est-ce que je les ai? Oui, j'ai mes oligoléments. Oui, j'ai mes oligoléments. Donc là, deux analyses qui sont capables d'avoir cette vision, c'est sur N. L'acide base, donc les macros, oxydoréduction. D'accord? C'est des analyses qui coûtent une cinquantaine d'euros, mais au moins on a toutes les informations. Voilà, le but sera de mettre le système à l'équilibre. Alors peut-être qu'un jour on se reverra dans vos départements, parce que ça fait 30 ans qu'on fait de la formation pour les GDS. En tant qu'éleveur, je pense que vous devez y être adhérent, la plupart, non? Bon, on n'est peut-être encore pas allé faire des formations dans votre département, parce que
Là, la Somme, on y est parlé encore. Et peut-être qu'un jour, on sera amené à aller faire de la formation éleveur pour que vous ayez un peu plus de temps pour accumuler ces notions, hein, parce que cet après-midi, c'est un peu court. Voilà, peut-être qu'on sera amené à le faire chez vous. Alors après, en 30 ans, on a formé des équipes à utiliser ces outils, parce que, bon, moi, je vais vous donner des choses à faire, vous, puis après, il y a des choses un peu plus spécialisées ou des matériels plus coûteux qui ne sont pas forcément aujourd'hui dans vos fermes. Mais vous voyez, on a un petit peu mâché le territoire. Il y en a des gens qui sont, manipulent ce matériel couramment. Bon, ça commence un petit peu... commence à y en avoir un peu partout. Voilà. Le but sera pour nous, avec ces outils... Alors, le fil conducteur, je l'ai dit ce matin, ce sera l'eau, les sols, le milieu, les animaux, et puis après, les végétaux qu'on leur fait manger. Ça va? C'est clair pour vous, ça, ou pas? C'est compréhensible, mon langage, ou pas? Hein? Alors... les cinq piliers de la santé, je vous l'ai dit ce matin, sur lesquels on travaille tout à l'heure, c'est 1, l'hydratation, 2, on travaille sur la nutrition, 3, sur l'intégrité physique, 4, sur l'environnement, 5, pour le bien-être. Alors, fort de mon travail avec mes associés depuis des années, je me rends compte, plus j'avance dans le temps, que la première chose qui est à faire, finalement, c'est quand même de mettre le système homme-animal, donc de créer le bien-être de ces gens-là, parce que là, il est beau mettre tout en ordre et tout, si l'agriculteur et s'il n'est pas en symbiose et s'il ne va pas bien avec ses vaches, à la limite, tu peux raconter tout ce que tu veux, tout ça, c'est de la comédie, tu n'y arriveras jamais. Donc, pour moi, le premier pilier de la santé, ça reste quand même d'essayer de gérer le bien-être du lieu, le bien-être de l'éleveur, le bien-être des animaux, et puis après, de commencer à travailler le reste. Hein. Alors, le bien-être, c'est une notion qui va peut-être vous choquer dans la bouche d'un veto qui devrait être cartésien, mais c'est une notion de lieu. C'est une notion de s'assurer que sur ce lieu où vous avez construit votre cahute, là, s'assurer qu'il n'a pas été construit sur un milieu improbable. Je vais vous montrer, c'est de gérer les pollutions électriques, les pollutions électromagnétiques, les pollutions telluriques, des choses peut-être plus subtiles, donc les antériorités du lieu. Et après, on y croit pas, ça c'est votre problème, mais je peux vous dire que si ça, ce n'est pas réglé, tu peux te la prendre et te la mettre derrière l'oreille, tu ne vas jamais résoudre tes problèmes. Donc, le reste, c'est cartésien, ça l'est peut-être un peu moins, sauf les pollutions électriques et électromagnétiques, ça, c'est autre chose. Hein. Donc, c'est la première chose à laquelle on s'attaque. S'il n'y a pas de bien-être, ça va se traduire par quoi? Des troubles du sommeil chez vos animaux. Ça va se traduire par des stress continus chez vos animaux. Les stress continus bouffent tous les antioxydants. Ils mettent les animaux en mode adrénaline-cortisol. Donc, le lait, t'oublie. La santé des veaux, t'oublie. La croissance, t'oublie. L'état de fonctionnement, l'équilibre des animaux, t'oublie. Et ton équilibre à toi, t'oublie. Et je ne te garantis pas que ça se passe bien quand tu vas arriver à 45, 50, 55 ans. D'accord? La notion de bien-être, c'est aussi le plaisir, l'harmonie avec soi et avec les autres. Alors, la première chose que nous, on vous demande quand même de vérifier quand même dans votre système, on est d'accord que le système solaire, il envoie des photons, il envoie de l'énergie électrique, elle est mesurable partout, hein. Et puis après, l'homme, ben, il en génère lui aussi. Elle ne pose pas de problème à condition de gérer un certain nombre de choses. Vous avez des ruminants, dans l'échelle de résistance au courant, ils sont hyper électrosensibles. Bien plus que des poules, bien plus que des cochons, bien plus que des hommes. Donc il faut y faire attention. Quand les bêtes sont en prairie, le problème ne se pose pas. Elles vont se mettre là où ça leur convient. Quand vous les enfermez dans un bâtiment, ben, où vous l'avez construit, où vous avez géré les problèmes, ou vous ne les avez pas gérés. Et là, quand elles ne peuvent pas se soustraire à ça, elles en prennent plein le groin. Et en général, le premier organe qui est atteint, c'est le tube digestif. Donc la première chose qui va se passer, si vous ne gérez pas ces pollutions électriques et électromagnétiques, si vous ne gérez pas ça, le premier impact, il sera digestif. Avec désorganisation de la flore, apparition de flore pathogène, apparition de biofilms bactériens pathogènes, au large partout, la terre, les murs, la salle de traite et tout, et je vous dis que vous ne vous en sortirez jamais. Ça va? Si après on recrée d'autres désordres alimentaires, vous ne ferez qu'aggraver la situation. Donc ça, il faut que vous appreniez à les gérer. Le deuxième désordre que vous aurez, ce sera sur vous et sur vos animaux, c'est un désordre glandulaire et hormonal. Donc on est quand même d'accord que toutes les fonctions de reproduction et de production sont quand même énormément liées aux phénomènes hormonaux. Donc si on désorganise ça, on comprend facilement que derrière, ça va être assez compliqué pour produire. Alors bon, on passe là-dessus.
Si vous êtes sur un lieu, vous ne mentez pas, sous vos pieds, il y a, de la il y a ou il n'y a pas de la pollution tellurique. C'est lié à la présence d'argile, de sable, de failles, de ce que vous voulez, mais il y a des sols qui ont des effets de pile, alors, et qu'il faut savoir identifier. Donc, et ça, il faut savoir les gérer. Donc, ensuite, il y a les pollutions que vous générez vous-même, ou que l'homme génère soi-même. Bon, quand on met des piles photovoltaïques, des onduleurs, ce n'est pas un problème de mettre ça, mais il faut en gérer les effets. Voilà, et ça, c'est rarement fait, j'ai envie de dire. Peut-être qu'en Allemagne, en Autriche, en Suisse, ils sont un peu plus précautionneux par rapport à ça que nous, mais c'est, ne vous mentez pas, ce sont quand même un certain nombre de nuisances. Après, c'est tous les phénomènes de mise à la terre de bâtiments qui ne sont pas forcément cohérentes et faites comme il faut. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il fallait observer. Parce que ça, ça peut être très pénalisant sur les flores pathogènes. Souvent, on peut avoir un indicateur, c'est voir les disfermentations dans les fosses à lisier ou dans les fumières. On voit que l'activité biologique de ce qui sort du tube digestif des vaches, je vous ai dit, le premier impact, c'est l'équilibre microbiologique des animaux. Le deuxième impact visuel, c'est que la dégradation de vos fumiers ou vos lisiers ne se passe pas normalement. Et on comprend bien que ça, on va les remettre dans les sols. Donc ces pathogènes, on les remet dans les sols. Et ne vous mentez pas, quand on fait des bactériaux de fourrage, on les retrouve dans les silos. Donc nous qui faisons régulièrement des bactériaux de fourrage, on voit des silos hyper pollués de clostridium, agents de botulisme, tétanos, entérotoxémie. On a les pathogènes, les Escherichia coli qui sont dans les silos et les bottes d'enrubanées. Mais on a déjà eu une désorganisation du milieu, des animaux, du tube digestif, des lisiers, des fumiers, des sols et des plantes. Et on ne va pas s'en sortir si on ne s'occupe pas de ça. Voilà. Donc nous, on regarde souvent les animaux, quand ils sont en prairie, de toute façon, ils vont choisir naturellement le lieu qui leur convient. Donc si c'est un lieu qui ne leur convient pas, vous ne les verrez jamais se mettre en position de rumination et de repos sur ces lieux. Si les animaux ne se mettent pas naturellement sur ces zones, je vous recommande de jamais construire à cet endroit-là. Ce que faisaient les moines il y a bien longtemps. Ils faisaient attention de construire leur bâtiment là où les animaux se couchaient et restaient calmement. Ils n'allaient pas les mettre dans les lieux où les animaux n'allaient pas. Quand on est dans les bâtiments, ben, on le voit souvent, hein, sur les bâtiments, il y a eu des extensions. Ça, c'est un bâtiment du nord de la France, hein, il y a quelques années. Ben, les vaches n'allaient pas dans une partie du bâtiment. Rien à faire, elles ne voulaient pas y aller. C'est vraiment des problèmes géobiologiques qui est à régler. Alors, ce n'est pas mon métier, mais c'est mon rôle de dire que c'est un problème et qu'il faut faire venir une personne compétente. Alors, le premier outil que je vous demande quand même d'utiliser, c'est un voltmètre. Vous achetez un bête voltmètre du commerce, hein. Donc vous le mettez en position, donc vous mettez votre fil noir sur le commun, vous mettez votre fil rouge sur volt, ohmmètre, ampèremètre. On ne va pas les mesurer les 400 volts, hein, on va les mesurer les millivolts. Hein. Vous vous mettez sur 2 volts continus. Et puis on va commencer à faire quelques investigations. Alors, le milieu qui est le plus conducteur au niveau courant, c'est l'eau. D'accord ? Et les vaches ne supportent pas la présence de courant dans l'eau. Donc vous avez réglé votre petit voltmètre, vous mettez le fil rouge dans l'abreuvoir, vous mettez le fil noir au sol, et bien vous allez mesurer finalement la différence de potentiel qui va passer entre la bouche et les naseaux, le tube digestif et les pattes de votre animal. Donc on sait que pour les ruminants, on ne doit pas dépasser normalement 100-150 millivolts. Alors vous voyez ici, par exemple, j'ai un abreuvoir qui est à 250 millivolts, un autre à 294, et tiens, j'en ai un autre à moins 619. Alors, les deux premiers, on a plus 200, plus 300 millivolts, c'est une pollution électrique qui est dans le réseau d'eau. Donc là, il faut essayer de réfléchir, qu'est-ce qui pollue ce réseau d'eau? Et ce réseau d'eau doit être mis à la terre. Oui, autour de 100-150 millivolts. Si tu as du moins 600, c'est une pollution qui revient par le sol. C'est-à-dire que c'est du courant qui revient et qui remonte des pattes vers l'abreuvoir. Là, c'est une pollution géotellurique. Donc, si vous testez tous vos abreuvoirs, moi, je commencerai par ça. Vous testez vos abreuvoirs, tous vos points d'eau, vous devez les trouver entre 80 et 150 millivolts. De l'eau, c'est vecteur de courant. Donc, vous devez la trouver avec un minimum de tension. Vous devez la trouver 80, 100, 120 millivolts, c'est normal. Mais si vous me la trouvez à 300 ou 400, puis surtout, c'est des points d'eau qui sont beaucoup plus hauts, ben, je vous garantis que ça va être respect, hein. Les animaux, ils ne vont pas toucher à cet abreuvoir. Si c'est celui qui est à la sortie de la salle de traite, t'es tranquille, hein. D'accord ? Si vous avez des charges négatives, c'est qu'il y a un problème géotellurique. Je vous conseille de faire passer un géobiologue sur le lieu. D'accord ? Donc ça, c'est une mesure qui est très facile à faire. Ensuite, deuxième chose que je vous demande, c'est de m'enlever les générateurs de clôture électrique.
Ça, vous ne vous imaginez pas les champs électriques que ça envoie dans les bâtiments. C'est des perturbateurs sur les animaux qui sont phénoménaux. Hein. Donc ça, ça n'a rien à faire dans les bâtiments. Si vous avez des générateurs de clôture, vous me sortez des bâtiments, vous me mettez à 15-20 mètres à l'atelier, au garage, où vous voulez, mais vous me sortez ça, vous ne les mettez pas contre les charpentes. Hein. Et puis surtout, vous ne mettez pas, comme ici, la terre au pied de la charpente. Alors, parfois, c'est un peu compliqué, mais la pollution, elle peut venir du réseau EDF, et ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, voilà un exemple. Si on est dans une exploitation, là, en l'occurrence, c'était des chèvres, on a mesuré tous les abreuvoirs, puis on voit que ben, là-bas, plus 390, plus 300, plus 225, celui-là, il est HS. Et puis là, quand on est vers la zone de salle de traite, moins 320, moins 740. À votre avis, ça se passe comment, un salle de traite? Hein? C'est le bordel. C'est... Au revoir. Voilà. Donc ça, c'est très facile à faire pour un agriculteur. Donc, si un électricien vient chez vous, il est censé quand même tester votre terre. Alors, un appareil qui s'appelle un Tom E ou un 4 Ohm, c'est cet appareil-là qu'on met dans la prise, qui nous permet de tester la qualité de la terre de votre bâtiment. Donc, une bonne terre, c'est à 5 ohms. D'accord ? Méfiez-vous parce que les terres, c'est marqué ici, hein, il faut... Donc il faut ici 5 à 10 ohms maximum. Les terres pour les bâtiments industriels ou pour les maisons, le DTU, c'est 32 ohms. Mais ça, ce n'est pas possible pour des vaches. Hein. D'accord ? Donc il faut que votre terre elle soit réglée le plus bas possible. Alors après, ce qu'on peut être amené à mesurer, pour des gens qui ont beaucoup de moteurs, il y a beaucoup d'électronique, il y a beaucoup de, je sais pas, des rideaux automatiques, des portes automatiques, des racleurs, des bordels, des repousseurs de bouffe, des robots partout, il y en a, mon vieux, une corde de tout partout, ah, peu importe, moi je ne suis pas contre ça, mais de s'assurer que tous ces appareils-là ne se surajoutent pas, puis mettent un truc imbuvable pour les animaux. Alors, on a un détecteur de champ, c'est celui-ci, qui détecte les champs de haute, moyenne et basse fréquence. C'est ce que tu utilisais pour les gens pour régler les antennes téléphoniques, hein, les émetteurs. Hein. Donc la législation, normalement, c'est ne pas dépasser 5 volts par mètre. Vous voyez, ça, c'est le fameux bâtiment de chèvre. Donc là, vous voyez qu'en zone de salle de traite, on est à 400 volts mètre. Donc on a des problèmes de terre, on a des problèmes électriques, on a des problèmes de champ. Donc il y a tout un travail, on va dire, électrique à faire sur l'exploitation. D'accord ? Si ça, c'est pas fait, vous pouvez tordre des rations dans tous les sens que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je vous dis que ça ne marchera pas. Là, typiquement, sur ce troupeau, il est nourri pour 4,5 litres de lait par jour. Il y a 2 litres, avec des mammites, des cellules et des chèvres qui crèvent, quoi. Et c'est pareil pour les vaches. Hein. Donc ça, c'est quand même, à mon sens... Et puis pour vous, les humains qui vivez là-dedans, ça va devenir invivable. Hein. Après, il y a moyen de les gérer. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on est dans une entreprise donc industrielle, tous ces champs électriques, tous ces champs induits, ils sont gérés, un par un. Parce que si on ne le fait pas, la chaîne de production, elle ne marche pas. Il y a de la technologie pour le gérer. Alors, ce n'est pas fait en agricole, on monte les automatismes, on monte la robotique, on monte tout ce bordel, mais on ne gère pas les conséquences de tout ça. Ça va pour vous ? Puis parfois, dans un bâtiment où il y a plein d'autres problèmes générés, ce sont que des champs qui se superposent les uns les autres, et puis qui, à un moment donné, nous fait un cocktail Molotov. Mais on ne peut pas dire que c'est un problème en tant qu'élément. C'est un élément qui se surajoute à des autres. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est pour moi, déjà, le premier travail à faire, c'est déjà de mesurer la tension électrique que vous avez dans tous vos points d'eau, et puis éventuellement sur votre installation de traite pour ceux qui traitent, pour s'assurer déjà que la mise à la terre de votre installation soit faite comme il faut, que déjà, il n'y ait pas de perturbation à la prise d'eau et pas de perturbation au moins à la traite pour les éleveurs laitiers qui traitent. Ça, c'est purement de la gestion électrique, électromagnétique, comme on le ferait dans une entreprise. Ça, ça n'a rien à voir. Par contre, si tu... Ah ben ça, c'est une obligation, ça devrait être fait à la construction. D'accord ? C'est bon pour vous ? Bon, après, le géobiologue, lui, il fera son travail sur des choses un peu plus subtiles. Donc souvent, ce qu'on fait, ben, on envoie un plan de masse de l'entreprise... Et puis on lui demande de regarder, puis de regarder un petit peu les réseaux Danemark, les réseaux Curie, les cheminées telluriques et tout son train. Et après, surtout ce qu'on fait sur un site comme ça, c'est dans l'Aveyron, ben on comprend facilement ben, que ça, c'est la ferme originelle, puis après, ils ont construit ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis finalement, quand tu commences à regarder ce qui est fait au niveau de la liaison des terres, tu as 8 terres. Un site, c'est une terre, c'est tout sur la même terre. Donc première chose qu'on fait sur un site comme ça, c'est déconnecter toutes les terres, on recrée une terre unique et on réharmonise le lieu sur le plan électrique.
Ah ben de toute façon, c'est tu refais un travail de remise en cohérence de l'ensemble de l'installation. D'accord? Tant qu'on n'a pas fait ça, tout le reste, ce n'est pas la peine de te mentir. Tu peux tordre des rations dans tous les sens. Je ne dis pas que ça n'ira pas mieux. Mais économiquement, tu vas surnourrir par rapport aux résultats et puis avec des problèmes sanitaires que tu ne peux pas gérer. Ça vous paraît choquant ce que je vous dis ou pas? J'ai beau être vétérinaire cartésien, je sais que ça, on ne peut pas, on peut pas le faire. Alors nous, quand on vient avec le bioélectronimètre, c'est intéressant parce que, bon, vous n'en avez pas, mais quand on vient sur un site, qu'on installe notre appareil, lui, de toute façon, c'est tellement sensible qu'il mesure tous les champs électriques qui sont captés par la sonde en verre. Donc, quand on installe l'appareil, il nous dit déjà, rien qu'à l'installation, vous savez si le milieu est perturbé ou pas. Alors, si tu as du ressenti, toi, tu l'as ressenti. Moi, je ressens rien. Donc, c'est pas compliqué, j'ai le nez bouché. Donc, je pose l'appareil. S'il me dit 200 millivolts avant de commencer les mesures, je sais que ça va bien se passer. Il me met 100 millivolts ou il me met 300 millivolts, je sais qu'on va être dans la merde. Je n'ai pas commencé les mesures, mais lui m'a déjà dit, m'a déjà capté l'information qu'il y a un bordel sans nom dans l'environnement. D'accord? C'est normal, c'est tellement sensible que... Alors évidemment, ben, on va chercher les perturbations, ben, là on peut les comprendre facilement. Hein. Donc là on a des onduleurs qui ne sont pas mis en situation de protection par rapport aux animaux qui sont derrière. Et puis après, c'est des problèmes de mise à la terre et ainsi de suite. Voilà. Quand on va faire la mesure des animaux, si on mesure des hommes, parce que nous on mesure aussi souvent les agriculteurs, hein, qui sont exposés en permanence à ces champs électriques ou telluriques, si on les mesure, en général, sur leur sang, hein, j'entends, on va souvent trouver des individus qui sont plutôt très oxydés. Alors on dit oxydation. S'ils ont une charge antioxydant qui est correcte, ils gèrent. Et si à un moment donné, ils ne gèrent pas leur balance d'antioxydants, je te promets qu'à un moment donné, alors ils sont peut-être malades régulièrement, sans que ce soit grave pour leur matricule, ou parfois ils sont gravement malades et parfois ça se traduit en 8 planches. Mais je te le dis ce qu'on voit. Donc je veux dire, si c'est perturbant pour les animaux, ben vous ne mentez pas, ça l'est pour vous. Donc je dis qu'il faut s'en préoccuper. Peut-être que vous en préoccupez pas, mais si commence à faire de la bioélectronique sur un site, et si vous arrivez à la conclusion qu'il y a quand même des perturbations, il faut s'en occuper pour vos animaux, mais il faut déjà pour s'en occuper pour vous-même. Ça va pour vous? Une fois que c'est fait, je vous garantis que sur le plan bien-être des individus, sur le plan bien-être des animaux, ça va devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus zen. À partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler. Ça vous paraît choquant ou pas? Alors après, bon, aujourd'hui, il existe des bilans qu'on peut faire sur le sang des humains. C'est la même chose que l'on fait sur les animaux qui nous permettent de quantifier cette inflammation ou cette agression. Hein, ici, on a un paramètre qui est OCT, on a la déromoxie qui peut nous renseigner si les animaux gèrent ou ne gèrent pas. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Alors, une fois qu'on a identifié le problème, bon, il y a quand même des mesures faciles à mettre en œuvre. Hein. C'est recréer une terre. Donc là, on avait recréé la terre, recréé une terre unique pour le site, le cévage d'équerre. On raccorde toute la charpente si ça n'a pas été fait, on raccorde les cornadis si ça n'a pas été fait, on raccorde les abreuvoirs si ça n'a pas été fait, on refait la mise à la terre correctement des machines à traire, et puis en général, les choses vont s'arranger. Si c'est un problème géotellurique, ça, c'est plus du domaine de l'électricité, c'est du domaine du géobiologue, on est d'accord? Et ça, c'est un travail qui doit être absolument fait. Quand vous construisez ou quand vous remettez les abreuvoirs en ordre, ça devrait être fait à la construction. Un abreuvoir, ben, normalement, devrait recevoir un tuyau d'eau, faire une boucle pour gérer les débits, on verra ça tout à l'heure, et on devrait mettre à la terre l'ensemble de ces points d'eau, puisque c'est quand même un matériel hyperconducteur, donc il faut le gérer, mettre sa terre nord-nord-est, et puis la calculer, enfin la travailler pour que sa résistivité descende en dessous de 10 ohms. D'accord ? Et mettre à la terre, par exemple, la nourrice d'eau qui distribue. Ah, c'est obligatoire. Tout ça doit être, en plus, tout ça doit être mis à la terre. C'est une obligation. Ça ne suffit pas de mettre la nourrice. Alors, je ne sais pas que c'est pas... Nous, chez nous, en Suisse, les choses sont faites différemment de chez vous. Un agriculteur qui veut construire, il y a un géobiologue dans l'équivalent des chambres d'agriculture, dans chaque canton, vous déposez un permis de construire en Suisse, la première personne qui va venir sur le site, c'est le géobiologue cantonal. Il va venir sur votre site, il est électricien, électromagnéticien, il sait gérer toutes les pollutions électriques moteurs, c'est un bac plus 6,
Il va venir sur votre site, après il fait la partie géobio, et va décider si c'est possible de construire ou pas construire là. Si lui, il ne vous donne pas son aval, tu ne construis pas ou tu as décidé de construire. Il te dit, c'est non, je ne vous donne pas votre permis. Une fois qu'il a décidé, oui, on peut construire ici, il va participer à la conception du plan, et je te garantis que les travaux préparatoires pour mettre tout ça en liaison cul potentiel, ça va être fait comme il faut, et il va suivre le chantier. Donc tu comprends facilement que quand tu vas dans une exploitation suisse, je ne dis pas que tout est bien, je dis que c'est plutôt mieux. Ça va ou pas? Donc vous, votre premier outil restera quand même un bête voltmètre, pas un truc qui est bien cher, et quand même d'aller tester vos abreuvoirs, tester vos cornadis, pareil, tu mets le plus sur le cornadis ou la barre de garrot et au sol, il ne doit pas y avoir plus de 100 millivolts là-dedans. Tu dois tester aussi tes logettes, tu vas avoir plus de 100 millivolts entre le tapis et puis la barre. Tu peux tester ta machine à traire, tu ne dois pas avoir plus de 100 millivolts entre le quai et puis le bandeau qui touche les fesses des vaches, ou si c'est la caisse du robot, tu dois faire attention à tout ça. D'accord? Et si ce n'est pas fait, ben, la liaison équipotentielle doit être faite. D'accord? Ensuite, tu auras à gérer toutes tes pollutions, les moteurs, la pompe à lait, la pompe de ci, la pompe de ça, la pompe de relevage de lisier, enfin, il peut y en avoir partout. D'accord? C'est bon pour vous? Alors, ça, c'est des considérations qui sont électromagnétiques, puisqu'on est en hémisphère nord. Tu sais que les champs magnétiques terrestres, tout remonte au pôle. Donc, le pôle sud, ben, tout va au pôle sud, et nous, tous les champs magnétiques remontent au pôle nord. Donc, normalement, d'un point de vue purement physique et électrique, nous, dans l'hémisphère nord, les terres doivent être orientées nord-nord-est par rapport à ce pôle magnétique. Alors, on peut pas, mais si on peut, on le fait comme ça. C'est bon pour vous? Ça, c'est votre premier outil. Bon, une fois que ça c'est fait, le deuxième travail sur lequel vous allez travailler, c'est l'hydratation. Mais on comprend que s'il y a du jus dans l'eau, tu peux mettre la meilleure eau du monde là-dedans, elle n'ira pas la boire. Ça va pour vous? Donc, on aura à gérer cette hydratation. Alors, je vous ai résumé là. Ben, déjà, première chose qu'on va aller regarder, c'est comment se comportent les animaux. Est-ce que les abreuvoirs sont à bonne hauteur? Est-ce qu'ils sont perchés? Est-ce qu'ils sont trop bas? Est-ce qu'ils sont dans des coins? Est-ce que c'est accessible? Comment se comportent les animaux dessus? Elles y plongent bien la langue dedans? Elles hésitent? Elles lapent? Elles jouent avec l'eau? Elles ont des comportements un peu bizarroïdes, d'accord? Est-ce que l'eau est propre? Et ensuite, ben, le voltmètre, on vient de voir. Théoriquement, vous êtes censé mettre un compteur pour évaluer la quantité d'eau qui est bue chaque jour. Un éleveur de volaille, vous lui posez la question, combien ça boit? Il te répond du tac au tac. Un éleveur de lapin, tu demandes combien ça boit? Il te répond du tac au tac. Il sait jour par jour ce que ça boit. Tu demandes à un éleveur laitier. Ben, je paye 5 000 euros d'eau par an. Mais bon, tu ne sais pas qui a eu ce taux-là. Hein? Voilà. Alors, si on est sur des autres réseaux, ce qu'on demande aux éleveurs quand même, c'est d'acheter un petit testeur à chlore. Ça coûte 35 euros. Parce que tu ne sais pas ce que fait le bougnoule qui est au château d'eau. Donc, quand même, de contrôler un petit peu le taux de chlore qui est dans l'eau. Parce que les bovins ne supportent pas ça. Un petit testeur à chlore. Ça coûte 35 euros. Tu achètes ça sur Internet, un testeur à chlore libre de l'eau. Si tu es sur un château d'eau, puis surtout si tu es sous le château d'eau, parce que parfois tu arrives dans des fermes, le château d'eau il est juste à côté de la ferme. Donc de tester un petit peu, surtout en plus si tu as des doutes par rapport à l'odeur, bah, quand même de tester un peu ce que fait le bougnoule là-dedans dans son château d'eau. Parce que je te garantis que quand il te met des charges de chlore, je te garantis que les vaches derrière, ça va très mal. Alors, normalement le chlore, un petit testeur à chlore libre, il teste de 0 à 1 mg par litre. La tolérance pour la santé humaine, c'est 0,3 mg. Au-delà, ta thyroïde est en vrac. C'est pas grave, problème de reproduction, problème de fonctionnement immunitaire, problème, ça te tape sur la cafetière, hein, tu as des problèmes de fonctionnement, des problèmes de, oui, tu te sens pas bien, des problèmes de burn-out, des choses comme ça. Donc c'est une bricole, quoi. T'as mal aux jambes, t'as mal aux articulations, t'as mal au bide, t'as mal à la tête, mais c'est pas grave, c'est normal, il y a un petit virus qui passe. Et les vaches, ta tolérance, c'est 0,1. Donc si t'as du chlore dans l'eau, en général, elles boivent plus. Alors si elles boivent plus, elles n'ont pas les problèmes liés à l'intoxication de la présence de chlore dans l'eau, mais par contre, ta production laitière et la reproduction, d'accord? Voilà, donc et si on en a, on verra qu'on met un filtre à charbon pour neutraliser ce chlore. Normalement, chlore libre, tu dois pas dépasser 0,1 mg. Ah ben, c'est pour ça qu'un éleveur, alors s'il est sous l'eau de réseau ou si lui, il a une pompe à chlore, il a un testeur pour tester ce qu'il fait, quoi.
Parce que ça se règle comme il faut, quoi. Il faut y faire un peu attention. Alors, bien entendu, on va mesurer le pH. Alors, le pH idéal de l'eau, les vaches aiment bien les eaux douces, elles aiment bien les eaux à pH 6, 6,5, c'est-à-dire, elles aiment bien de l'eau au pH de leur tube digestif. Mais ne vous mentez pas, votre tube digestif est à 6,5. Donc, il n'y a pas de raison de boire de l'eau à 7 ou à 8. Obligatoire. Alors, c'est ce qu'on fait systématiquement dans les élevages de poulets et de lapins, parce que si on ne le fait pas, on a des graves troubles de santé, des graves troubles de production sur les animaux. Mais chez les animaux, il y a le filtre du rumen, mais malgré tout, on sait que tu feras de bien meilleurs, tu auras bien de bien meilleurs résultats avec une eau à pH 6,5. Et puis cette eau-là sera moins favorable au développement de pathogènes. Donc si on a de l'eau trop basique, on a tout intérêt à installer un système pour l'acidifier. Ce n'est pas très coûteux, mais je vous garantis que c'est efficace. Hein. Voilà. Et puis, bien sûr, alors après, quand vous achetez un... Le petit appareil que je vous ai montré tout à l'heure, il fait le redox, il fait le pH, il fait la conductivité de l'eau. Et donc, on veut une eau qui est peu conductive, autour de 200 millisiemens. Et puis après, une fois qu'on a fait son analyse, si on doit faire des choix d'abreuvoir, je vous ai tout synthétisé sur une page. Les animaux préfèrent les abreuvoirs en matière minérale. Si je n'ai pas pu faire des abreuvoirs en matière minérale, elles préféreront après le polyéthylène. Et puis l'inox et le fer, ce n'est pas leur tasse de thé. C'est tellement conducteur au niveau du courant que ce n'est pas leur tasse de thé. Alors c'est sûr que vous aimez bien, c'est beau, c'est propre, c'est facile à nettoyer. Mais par contre, c'est clair que ce n'est pas ce que les animaux préfèrent. Voilà, puis après, il faut faire attention à la position des abreuvoirs. Vos animaux ne supportent pas que les abreuvoirs soient dans des couloirs d'étranglement, ne supportent pas d'être dominés par les vaches. Donc quand on pose des abreuvoirs, la règle de base pour les ruminants, c'est qu'ils sont au milieu des murs. Il y a 5 ou 6 mètres de dégagement derrière et il y a du dégagement à droite et à gauche. Si vous ne mettez pas vos abreuvoirs comme ça, vos animaux ont tellement peur des dominances qu'ils ne vont pas boire. Donc les abreuvoirs, il faut aussi gérer l'espace qui est autour. D'accord ? Et puis il faut que le débit d'eau soit suffisant, autour de 30 litres minute. Et bien entendu, on vient de le dire tout à l'heure, il est mis à la terre. Alors le fin du fin, une fois qu'on a fait ce travail-là, si après effectivement on peut mettre un système de dynamisation, et puis si on met un système pour qu'elle soit propre, que ce ne soit pas un bouillon de culture, eh bien c'est le top du top. Alors des systèmes de dynamisation, il y en a plein. D'abord tu t'assures qu'elle soit propre, puis ensuite tu peux faire de la dynamisation par différents systèmes. Ça peut être des systèmes purement mécaniques de vortex, ça peut être des systèmes électromagnétiques comme des systèmes plochés, ça peut être des systèmes, nous, c'est des aimants qu'on utilise donc, pour donner une spatialisation à l'eau. Voilà. Du système, il y en a plusieurs, ça c'est pas. Après, il faut choisir celui qui te paraît le plus cohérent dans la ferme. Alors vous, de façon beaucoup plus simple, je vous ai mis une grille de lecture. Comme ça, ce sera facile. Il n'y a pas besoin de tout retenir dans la tête. Donc, première chose, je teste avec mon voltmètre. 50 à 150 millivolts, tout va bien. Je suis négatif, géobiologue. Je suis positif, je gère mes pollutions électriques et mes mises à la terre. On est d'accord ? Deuxième étape, je mesure mon pH. Mon pH est entre 6 et 7, tout va bien, c'est vert. Le pH est trop acide ou trop basique. Trop acide, j'acidifie, trop basique. Je dois trouver le moyen de neutraliser un peu cette eau et puis de remonter un peu son pH. D'accord ? Si j'ai un conductimètre, je peux mesurer sa conductivité. En général, elle sera liée à sa charge minérale. Normalement, on voudrait une eau légèrement douce. Si elle est dure, il faudrait l'adoucir. Si elle n'est pas assez dure, eh bien, il faudra peut-être faire un mélange de deux eaux, j'en sais rien, ou il faudra rajouter de la neutralite dans votre système. Avoir de l'eau bonne, c'est intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est de s'assurer que les animaux soient hydratés. Moi, on va se dire, putain, il y a de la super eau, là. Oui, ok, parfait. Il faut que tu en boives 3 litres par jour. Ok, j'en bois 3 litres par jour. Ce qui m'importe, et ce qui m'importe pour les vaches, est-ce que je suis hydraté ou pas hydraté? Le reste, je m'en fous. Non? Sur le fond. C'est important de savoir les caractéristiques de l'eau, mais peut-être ce qui est le plus intéressant de savoir, c'est le sujet qui la boit, hydraté ou pas hydraté. Le reste, c'est que de la menterie, t'es d'accord ou pas? Si la vache, elle a de la bonne eau, mais qu'elle ne la boit pas ou qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire en elle, résultat de déshydratation égale baisse de production, baisse de repos, baisse de performance. Donc ça fait une belle jambe que l'eau soit bien, puisque de toute façon, ça se passe mal dans la vache. Alors, l'outil de base pour vérifier que ça se passe bien dans la vache, les vaches, elles sont au cornadis, vous récupérez du pipi dans des pots comme ça, vous faites votre pH. Et la deuxième mesure que vous faites votre réfractomètre de Brix et vous faites votre réfractomètre de densité. Je vous ai mis les grilles de lecture.
Des vaches qui vont bien, le pH urinaire 7,8 à 8,3. Alors ça peut être 7,8 le matin, 8,3 l'après-midi, 7,8 à midi, 8,2 l'après-midi, j'en sais rien. C'est entre 7,8 et 8,3. Si je mesure mon Brix et qu'elle digère bien, qu'elle s'hydrate bien, je trouverai un Brix entre 3 et 5%. Si je mesure ma densité urinaire, elle est bien hydratée, 1015, 1025. Tout va bien, tout est dans le vert. Tu fais ton pH. Il est trop bas. En général, c'est que ça ne boit pas, il n'y a pas assez de sel, il n'y a pas assez de potasse dans la ration. Cherchez pas, midi à 14h, c'est pas autre chose. Si le pH est trop haut, très souvent, on voit ça dans des rations où un excès d'énergie, un excès de fibres, un excès d'amido. C'est un problème de calage de ration. Et puis qu'elles ne boivent pas assez. D'accord ? Ensuite, vous ferez votre Brix. Normalement, ça c'est bien. Il est trop bas, ça c'est très rare. S'il est trop haut, c'est que vos rations, ça ne va pas. Les animaux ne digèrent pas correctement, il y a trop d'amidon dans la ration, l'hydratation, ça ne va pas. Vous pouvez être sûr que vous êtes à côté de vos pompes sur la ration de vos animaux. Et puis alors, bien entendu, ben, si la densité devient très élevée, ben, forcément vos animaux ne s'hydratent pas, donc tu perds 2 litres, 3 litres, 4 litres, 5 litres, 6 litres de lait, moi j'en sais rien. Et puis tu perds de l'efficacité alimentaire, parce que si l'eau ne fait pas son travail, la digestion ne peut pas se faire dans de bonnes conditions. Puis après, c'est les troubles de santé qui peuvent arriver derrière. Donc on est quand même d'accord. Je récupère 5 urines de vache, je fais un pH. Un Brix, une densité. Je pense que je sais déjà commencer. C'est tout bien. Je ne me prends pas la tête. Ça se passe bien. Si le pH est trop bas ou trop haut, ça veut dire quelque chose. Ah putain, merde, j'ai oublié le sel depuis 3 jours. Ouais, je comprends, je le remets. 3 jours après, tout est rentré dans l'ordre. Tu comprends ce que je veux dire? Ou il y a un autre problème, j'en sais rien. L'abreuvoir est sale. Ah oui, ben, c'est vrai que pour les séjours-ci, l'abreuvoir est dégueulasse. Elles ne boivent pas mes vaches. Et si mes densités ne sont pas bonnes, si mes Brix ne sont pas bons, souvent c'est lié à un état de déséquilibre alimentaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans la ration? Peut-être que j'aille refaire un réglage là-dessus. Ça vous paraît compliqué, ça, ou pas? Ça, c'est quand même assez facile à faire pour vous autres. Bon, après, vous pouvez lire d'autres choses. Bien sûr que des livres, ce n'est pas ce qui manque. Et puis après, on peut s'attacher à d'autres aspects de l'eau. Donc, faire attention que les abreuvoirs soient à la bonne hauteur. S'assurer qu'il y a du dégagement autour, s'assurer que les vaches peuvent boire dans de bonnes conditions, s'assurer après que, quelque part, la vie cellulaire des vaches peut bien se passer. Et ça, c'est sûr que vous pouvez avoir déjà une vision avec un réfractomètre, un pH. Et ce que vous devez savoir, que finalement, ça c'est des travaux, ben, qui c'est qui a écouté les conférences de Gérald Pollack ici? Vous êtes allé l'écouter ou pas? Bon, son maître à penser, c'est Gilbert Link. Donc c'est des gens qui ont énormément travaillé sur l'effet de l'eau dans les cellules, donc des hommes et des animaux. Et si vous lisez leurs travaux, ils vous diront que finalement, la vie cellulaire est intimement liée à la qualité de l'eau et de l'hydratation. Elle est liée à la densité protéique de la ration. Elle est liée à la densité de potassium intracellulaire. Et puis, quelque part, à ne pas avoir trop d'excès de sodium. Donc, c'est ça qui fait la qualité de la vie cellulaire, la qualité de la production de muscles, la qualité de fonctionnement de la mamelle. Donc, on verra tout de suite que des plantes pauvres en potassium, pauvres en protéines comme le maïs, comme le sorgho, ça peut être vite compliqué si l'homme ne fait pas ce qu'il faut derrière. D'accord ? Avec de l'herbe ou avec du métail, on a un meilleur équilibre par rapport à l'eau, par rapport à la potasse, par rapport à la protéine. En général, c'est souvent surprenant. On a des densités à l'analyse d'énergie qui sont inférieures à maïs, même que je l'équilibre à côté avec de la protéine. Et finalement, le résultat sur les vaches, il est plutôt meilleur. Et ça, c'est surprenant. Chaque fois qu'on met du métal en silé avant épiaison, hein, bien en silé avant épiaison, bah souvent on te dit, avec ce produit à 0,85 UF, on ne va pas y arriver. Et puis finalement, le résultat est supérieur en état de santé, de production de viande et du lait avec un truc à 0,85 qu'un maïs à 0,95. La grande différence, elle viendra de la qualité de la protéine et la densité en potassium de votre fourrage. Ce n'est pas qu'une notion d'UF. D'accord ? Voilà, alors après, comment je peux faire? Ben, première chose quand on rentre dans une ferme, c'est s'interroger. D'où vient l'eau? Première question. C'est l'eau d'un forage? C'est l'eau d'un puits? À quelle profondeur? C'est l'eau du réseau? Est-ce que le château d'eau, c'est un sapin de Noël d'antenne? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Parce que comme ça, les vaches, elles peuvent écouter RTL et France Inter en buvant. Voilà. Est-ce que quand on va dans l'installation, là, c'est un éleveur dans le sud-ouest, là, il a un forage? Donc il a ses bonbonnes.
Puis finalement, on voit des réseaux électriques qui polluent dès l'arrivée de l'eau ici, des réseaux électriques qui polluent toute l'installation. Et derrière, c'est très problématique pour les blondes d'Aquitaine qui sont derrière. Voilà. Est-ce que c'est de l'eau de pluie qui est stockée dans une citerne? D'où ça vient? Donc, première question, d'où elle vient? Après, on regarde comment elle est distribuée. Là, tu es tranquille, c'est dans des raccoins, ça ne boira jamais. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on déplace les abreuvoirs, on les met. C'est sûr que ce n'est pas top, mais là, au moins, il y a du dégagement à gauche, à droite et derrière. Ça se met à boire. On va changer l'abreuvoir, là, changer de place. D'accord? Voilà. Bon, là, c'est un ancien laitier de l'Aveyron. Il a reconverti son bâtiment de vachetière en vache allaitante, des limousines. Il y avait des grands bars pour boire pour les vachetières. On met des limousines derrière. Ben, ça marche bien. Il n'y a pas de souci. Il y a juste à les tenir propres. D'accord? Là, ça fonctionne. L'autre, ça fonctionnait plutôt moins bien. Là, c'est un éleveur bio qui est dans le sud-ouest. On lui a fait remettre un gros bac parce que ses vaches ne buvaient pas. Bon, il l'a mis dans un coin. Ben, c'est au moins un gros bac. Ça marche plutôt mieux qu'avant. Voilà. Après, on voit quelques horreurs hein, quand on se promène. Hein. Bon, ça, c'est inaccessible. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça, ça ne marche pas. Ça, c'est pour être sûr qu'elles ne boivent pas, là, en haut à gauche. Ça, tu es sûr qu'elles ne boivent pas. Alors après, faire attention qu'il y ait du sel, parce que sans sel, les vaches, elles ne boivent pas, le mouvement de l'eau ne se fait pas. Hein. Donc, alors, est-ce qu'il y a du sel? Comment il est distribué? Il y a des pierres, il n'y a pas des pierres, il y a de la ration, pas de la ration. Pour moi, le minimum syndical pour des vaches, c'est 80 grammes dans la ration, puis une pierre de sel pour 10. C'est 80 grammes dans la ration, plus une pierre pour 10. Quand on travaille en Espagne ou en Italie, on est sur des apports de 120 à 130 grammes de sel par jour et par vache dans la mélangeuse, et une pierre pour 10. D'accord? En vache, ben les vaches laitières. Quand on est sur des vaches allaitantes, normalement, tu es sur des 60 grammes dans la ration et une pierre pour 10. S'il n'y a pas le sel, elles ne boivent pas vos vaches. Et le mouvement de l'eau ne peut pas se faire. D'accord? Donc ça, il faut s'assurer quand même que tout le monde ait accès au sel. Sans sodium, l'eau ne fait pas le voyage. Donc, des animaux dépourvus de sel absorbent peu d'eau, boivent peu et s'hydratent difficilement. Donc, la première condition, c'est qu'il y ait de l'eau. Et la deuxième, c'est qu'il y ait du sel. Sinon, ça ne marche pas. Après, le potassium, il faudra qu'il soit dans les fourrages. Il doit avoir 30-40 grammes par jour, qu'elle soit vache laitière ou allaitante. Alors, sur des troupeaux laitiers, bon, à 40 litres de moyenne, on est monté à 150 grammes de sel et 260 litres d'eau par jour. Alors là, plutôt intérêt d'avoir des sacrés barres. Hein. Mais la quantité de sel à distribuer aux animaux, elle augmente avec la production et la température. D'accord? Et la quantité d'eau au but. Plutôt un sel de mer à choisir. D'accord? Donc, peut-être qu'on est souvent un peu trop chiche sur le sel. Rien. Parce que les vaches, quelque part, elles le ressortent par voie urinaire. Ce n'est pas un problème particulier. Oui, oui, c'est pour ça que je vous dis de mettre au moins 80 grammes dans une ration de vachetière et une pierre pour 10, parce que des vaches qui sont piques à 50 litres, elles vont encore en taper 40 ou 50 dans la pierre. Si elles ne les ont pas, ce n'est pas possible. Après, on n'a peut-être pas raison de mettre 120 grammes par jour pour des vaches qui font 25 litres. On est d'accord hein? Voilà, par exemple, un exemple de troupeau par chez moi, dans le 51, des blondes d'Aquitaine. Alors ça, de la génétique a tombé à la renverse. Hein. Des vaches achetées 2-3 000 euros, hein. Alors, il y a de la bouffe, on ne peut pas dire, il y a à bouffer à volonté. Du riz gras italien, de l'ensilage de maïs, mon vieux, il y a à bouffer comme des cochons. Sauf que ça ne peut pas boire, il n'y a pas de sel. Voilà à quoi ça ressemble. Déstructuration musculo-squelettique et déshydratation chronique. Il y a à bouffer, mais ça ne boit pas, il n'y a pas de sel. D'accord? Parce que les abreuvoirs, ça ne va pas, et puis parce que le sel, ben, oubliez. Densité urinaire, brix urinaire, pH urinaire. T'as pas de sel, ta densité est élevée, ton brix est élevé, ton pH est bas. Vous l'avez marqué dans... Voilà, alors après, vous pouvez vous amuser sur des vaches gentilles à faire des plis de peau. Vous leur tirez la peau des fesses. Quand il y a de la déshydratation, vous allez voir, le pli de peau, il persiste une seconde, deux secondes, trois secondes. Il n'y a vraiment pas cette souplesse de la peau, quoi. Mais c'est sûr que les meilleurs critères, ça restera quand même de prélever les urines. Bon, ça, on a vu tout à l'heure. Et puis, vous passerez à la case de mesure. Alors, quand nous, on va... utiliser le bioélectronimètre, puisque sa fonction, c'est aussi de quantifier la qualité de l'eau et de quantifier la qualité de l'hydratation. C'est sûr qu'on ira un petit peu plus loin que ce qu'on pourrait faire juste avec un pH-mètre et des réfractomètres. Donc, le voltmètre, on a vu. Donc là, on sait que c'était pas bon. Hein, dans l'élevage, une partie était polluée par du tellurique, une partie était polluée. Donc ici, le pH trop haut. Donc là, il va falloir trouver
une solution là-dessus. Par contre, sur la nature de l'eau, conductivité et dureté, elle est correcte. C'est pas la nature de l'eau qui pose problème dans cet élevage. C'est la pollution électrique, c'est la pollution tellurique. Ah, si tu as bien respecté la polarité de tes deux fils sur ton voltmètre, hein, si tu as bien respecté la polarité, quand tu vas mesurer un plus de 300 millivolts, c'est une pollution électrique dans ton réseau d'eau. Quand tu vas mesurer moins 300, moins 400, c'est vraiment une pollution tellurique. Tu ne vas pas te tromper là-dessus. C'est pas possible que sur un abreuvoir, il y ait une pollution tellurique. Et ah, si tu peux avoir les deux. Ah, si tu peux avoir les deux. Mais qui s'annule. Ah oui, ça c'est possible. Ouais, on peut ne pas le voir. Oui, on peut ne pas le voir. Ouais. C'est bien pour ça que je dis souvent qu'on va quand même essayer de passer un maximum d'abreuvoirs. Comme ça. Ouais, voilà, on fait la terre. Ah ben oui. Hein. Alors. Ça, c'est ce qu'on avait vu. On mesure le pH urinaire, c'était des chèvres. Hein. Vous voyez, on a une densité qui est très élevée, on est dans le rouge. On a un Brix qui est très élevé, on est dans le rouge. On a ici un pH urinaire qui est trop haut. De toute façon, on est dans la totalité du concept, quelque part, de chèvres qui sont en état de déshydratation chronique avec mal digestion et déshydratation chronique. Que ce soit l'image des chèvres, c'est tout pareil. Franchement, ah oui, non, c'est pareil. Oui, alors le pH, lui, va bouger, hein. Si tu prends un échantillon de lait chez un éleveur dans son tank, s'il a un jour, deux jours ou trois jours, le pH y baisse. Hein. Donc, normalement, il faut qu'il soit mesuré dans la journée. Le Brix, il ne va pas bouger, mais le pH, lui, va bouger. On l'a vu ce matin, il y a consommation du lactose et donc légère acidification. Tu prends un tank, tu le suis sur trois jours, si tu ne remets pas du lait dedans, tu verras une acidification naturelle qui se crée. Mais c'est normal, ça. Hein. Mais bon, il faut quand même prendre du lait frais. Hein. Voilà. Après, moi, je vous recommande quand même de faire des analyses physico-chimiques et bactériaux de l'eau. Donc, normalement, un agriculteur qui se respecte, il fait une analyse d'eau une fois par an, même si c'est celle du château d'eau. Je dis qu'il fait une analyse. Il vérifie ce qui arrive à ses vaches. D'accord ? Et quand on fait une bactério, on fait une bactério à l'arrivée au compteur et ensuite on fait des bactério dans les points de distribution. Parce que peut-être que l'eau est propre à l'entrée de la bergerie, et puis peut-être qu'elle ne l'est plus dans les points de distribution. D'accord ? Donc vous me faites une physico-chimie, une bactério à l'arrivée, et ensuite vous me faites des bactériaux sur les points de distribution. Et parfois, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que dans les zones qui sont perturbées sur le plan géotellurique, et bien dans ces abreuvoirs-là, vous avez une flore extrêmement importante, et principalement des colis. Et vous verrez que dans les autres abreuvoirs où il n'y a pas les perturbations, c'est pourtant la même eau, c'est le même circuit, et là, vous n'avez pas de pollution bactérienne. C'est bien. Et là, vous allez bien vous rendre compte que une pollution géotellurique qui n'est pas gérée, la première conséquence que vous aurez, c'est du désordre digestif et l'installation de pathogènes. Une tolérance quand même. Il ne faut pas chercher à... Alors, la flore mésophile totale, tu peux tolérer 100, 150 CFU, ce n'est pas un gênant, mais Escherichia coli, zéro. Hein. Ça va ? Donc ça, je ne sais pas si vous en faites régulièrement. Alors par contre, si on a par exemple des pics de cellules ou des pics de métrite, on y pense à sa flotte. Hein. Parce que la distribution d'eau, il n'y a rien de linéaire. Hein. Alors, dans tous les départements, vous avez des labos qui sont chargés de la surveillance de l'eau dans les hôpitaux, les écoles et compagnie, les labos Eurofins. Il y en a dans tous les départements. Moi, en général, je confie à ces gens-là. Alors, la seule chose que je vous recommande, ne spécifiez pas sur votre bon que c'est l'eau de réseau. En général, elle reviendra propre. Donc, vous dites, quand vous remplissez votre bon, ben, eau de réseau privé, et puis voilà. Et ne spécifiez pas que c'est d'eau de réseau. Voilà. Alors après, il n'y aura plus qu'à mettre en place les corrections. Alors déjà, donner de l'accès aux animaux, régler vos hauteurs, l'endroit où ça se trouve, qu'il y a assez de réserves, assez de débit, que tout ça se soit à la terre correctement. Pour les éleveurs qui ont des vaches allaitantes, faites-moi plaisir de mettre des abreuvoirs dans les cases à veau. Parce que parfois, ils sont obligés d'aller boire dans ceux des vaches et c'est un peu compliqué. Hein. Ils ne sont pas accessibles par la bonne hauteur, ceci, cela. Donc, vous devez avoir des abreuvoirs dans les cases à veau. Choisissez plutôt des niveaux constants. Quand c'est des vaches laitières, s'il vous plaît, vous mettez des gros bacs. D'accord ? Quand nous, on travaille dans les pays chauds, c'est pas compliqué. Hein. Israël, Jordanie, 3 mètres d'eau pour boire, 6 mètres d'eau pour manger. 3 mètres d'eau pour boire, 6 mètres d'eau pour manger. 3 mètres d'eau pour boire, 6 mètres d'eau pour manger. Je suis désolé pour vous, mais si vous voulez tambouriner à faire du lait, il faut qu'il y ait de l'eau. S'il n'y a pas l'eau, ça va être compliqué.
on peut être amené à faire des systèmes de traitement d'eau X ou Y. Réglez déjà le pH, vous l'acidifiez ou vous l'alcalinisez. Choisissez un système pour qu'elle soit propre et qu'elle soit propre sur l'ensemble du réseau. D'accord ? Donc là, il y a des systèmes divers et variés. Quand on est sur des installations qui ne sont pas trop grandes, on peut travailler avec des UV, on peut travailler avec des pompes à chlore, à condition de régler correctement son niveau de chlore. On peut travailler avec des pompes à peroxyde, à condition de savoir régler le niveau de peroxyde. Après, quand on rentre dans des exploitations agricoles de grande taille, où les circuits d'eau sont extrêmement longs et puis très ramifiés, ça devient difficile de travailler avec ce genre de machine. Donc là, on va plutôt travailler avec des systèmes type armée de terre. Hein. C'est des systèmes d'électrolyse qui permettent de garder une eau propre sur des longueurs de tuyaux extrêmement grandes. Quoi. Donc si on a vraiment des grandes fermes avec des circuits gigantesques, on va plutôt prendre d'autres systèmes. Voilà. Puis après, c'est une question de coût de fonctionnement, parce qu'une machine à électrolyse, ça coûte de l'eau et du sel, et puis après, c'est parti. Voilà. Donc c'est moins coûteux sur des grosses installations de travailler comme ça. Puis après, il ira régler ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, la dynamisation de l'eau, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en fait, c'est un principe qui est utilisé par les armées depuis plus de 100 ans. Hein. C'est, le principe des armées, c'est que quand tu arrives en campagne avec des troufions, tout est cassé, tout est pété, il y a le mélange de l'eau propre et d'eau sale, et donc il faut, tu as 1000 hommes ou 2000 hommes en campagne, tu installes des tentes, il te faut de l'eau, tu prends de l'eau dans un gourbi, il faut et rendre cette eau propre pour alimenter et laver des troufions, parce que si l'eau n'est pas propre, ils ont tous la chiasse et t'as plus de guerriers. Et puis s'ils se prennent des balles, il faut que tu aies de l'eau de qualité chirurgicale. Donc ils sont capables, ces systèmes d'électrolyse, de vous prendre une eau mais dégueulasse et d'en faire une eau de qualité chirurgicale au point de te faire une irrigation abdominale si tu t'es pris une balle. Hein. C'est tellement performant ces machines que tu peux aller à de l'eau quasi chirurgicale en partant d'un boui-boui. D'accord ? Ça coûte quoi ? De l'électricité ou un moteur qui génère l'électricité parce que tu as besoin d'électricité pour faire fonctionner le réacteur, de l'eau, du sel et c'est parti. C'est le principe de certaines piscines domestiques ou de piscines communales. Elles font le traitement de l'eau par électrolyse. L'électricité, un réacteur et du sel. Ah si, c'est le principe. Le principe, c'est d'oxyder pour tuer les pathogènes. Donc l'électrolyse du sel va vous produire un produit qui s'appelle l'anolite, qui est un produit qui est très oxydé, à pH neutre, et qui, incorporé dans l'eau, va vous détruire tous les biofilms bactériens. Et en général, la machine, elle vous propose, comme elle décompose la molécule de sel, elle vous fabrique de la catholite, qui, à l'inverse, n'est pas un produit oxydé, un produit surréduit, et lui, vous le rajoutez dans la ration des bovins pour refaire l'équilibre. Mais par contre, dans le réseau d'eau, lui, il est propre. Alors, ça, l'électrolyse ne va pas modifier, quelque part, la structure de l'eau. Et après, on va mettre un système de dynamisation pour redonner une architecture donc à l'eau pour la rendre hydratante. Ça, qu'on peut faire par différents procédés. Hein. Voilà. Alors après, ça, c'est juste pour vous faire rigoler, mais quand on va dans les régions volcaniques, donc les anciens avaient fabriqué donc les objets à breuver les animaux dans la pozzolane, donc de la pierre volcanique, d'accord, donc ou du basalte. Donc nous qui sillonnons toute la France, on va dans des fermes, on a encore des anciens abreuvoirs en basalte. Quand vous mesurez l'énergie de l'eau dans ces bassins, c'est quelque chose de phénoménal. Alors, on l'a déjà fait pour des éleveurs laitiers, hein, construction de bâtiments, on a fait fabriquer, donc dans des carrières de basalte, on a fait fabriquer des abreuvoirs en basalte, parce que là, ça donne une puissance à l'eau qui est absolument phénoménale. Hein ? Alors ça se mesure avec un bioscope, ça ne peut pas se mesurer avec des appareils normaux. Voilà, ça c'est juste pour rigoler entre nous. Voilà. Alors après, troisième pilier de la santé, qui est quand même pas neutre, c'est préserver l'intégrité structurale. Alors, préserver l'intégrité structurale, je répète, c'est une notion qui est acide-base et une notion qui est purement minérale. Alors ne vous mentez pas, l'essentiel des minéraux qui vont rentrer dans la chaîne alimentaire de vos animaux, c'est ce qui s'est passé dans votre sol et ce qui a été transféré à la plante. On est d'accord ou pas là-dessus ? À choisir, je préfère avoir des végétaux qui soient capables d'amener des minéraux organifiés aux animaux que d'acheter un végétal incapable d'accumuler les minéraux et puis de broyer du caillou pour apporter du minéral. L'effet ne sera pas le même. Au calcul, vous aurez la même quantité de calcium, magnésium, phosphore, potassium au kilo de matière sèche. Je vous dis que l'effet dans l'animal ne sera pas le même. Ça vous surprend ou pas ça ?
Donc, alors, ça, c'est lié à la structure du minéral. L'un est minéral, c'est du caillou. L'autre, c'est un minéral qui est organifié par la plante. L'autre chose, c'est que vous avez des liaisons des minéraux par rapport aux protéines et à l'eau dans le fourrage. Et ça, on ne sait pas le reproduire. Même que tu mettes la bonne eau, même que tu mettes tes rations équilibrées, même que tu mettes les minéraux, tu ne sais pas reproduire ce que fait une plante correctement. D'accord ? Et ça, pour moi, ça fait une très grande différence entre les systèmes herbagers et les systèmes tout maïs. Oui, c'est comme ça, c'est sur le plan structurel et minéral, même si vous recomposez artificiellement la minéralité de la ration, vous n'arriverez jamais à la qualité du résultat que vous auriez avec un végétal capable de lui amener ses minéraux. Alors toi qui es en train de faire du métail, tu vas te rendre compte aussi qu'une partie du résultat du métail, à condition qu'il soit fait avant épiaison, je répète, c'est quand tu feras un maïs à 2 de calcium et puis 1,5 ou 1,8 de phosphore, tu feras un métail qui fera 7,5 de calcium et puis 3,5 de phosphore, tu verras que même si tu mets le minéral pour mettre le maïs à 7,5 et puis à 3,5, le résultat n'est pas le même sur la vache. Alors, tu le verras tout seul, mais tu verras que ce n'est pas mal. La première chose que vous avez à faire, c'est s'intéresser à déjà ce qui se passe dans les sols qui fournissent vos plantes, puisque c'est elles qui vont amener quelque part l'essentiel des minéraux à vos animaux. Alors déjà, premier indicateur que je vous donne là-dessus, mais on le reverra sur une fiche de lecture, quand vous faites analyser vos fourrages, par pitié, vous demandez les digestibilités, les valeurs alimentaires, énergie et protéines, ça j'entends, l'amidon, le sucre, je veux que vous ayez les informations minérales. Calcium, phosphore, magnésium, sodium, potassium, chlore, soufre. Et c'est eux qui vont déterminer le BACA. D'accord ? Je veux ces informations. Vous ne pouvez pas raisonner correctement si vous n'avez pas ces informations. La deuxième chose que vous avez besoin de savoir, c'est deux éléments fondamentaux que vous devez demander, que sont fer et aluminium. Parce que ces deux éléments-là, s'ils s'accumulent dans la chaîne alimentaire de votre plante, le premier impact que vous aurez sur les animaux, c'est une incapacité totale du tube digestif à absorber les minéraux et à organiser l'eau dans les cellules. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, acheter tous les minéraux de la terre, tous les lithotames de la terre, toutes les magnésies de la terre. Si vous avez ces polluants dans le tube digestif, vous avez un frein à l'absorption des minéraux et de l'eau. Et vous allez à la déstructuration de vos animaux. D'accord ? Alors, je vais vous l'expliquer. Ça, c'est vraiment, si vous avez des taux d'aluminium et de fer importants dans un fourrage, et qu'il est propre, hein, qu'il n'y a pas de terre dedans, l'équation est simple, égale sol en vrac. Si tu as aluminium, fer dans le fourrage, et qu'il est propre, égale, l'équation est simple, sol en vrac. Je dois m'occuper de mon sol pour arrêter d'avoir ces polluants, qui vont rentrer dans le tube digestif, foutre le bordel, sur le plan minéral, sur le plan flotte, sur le plan efficacité alimentaire, sur le plan immunitaire. Comme ils vont le rechier au trou du cul, tu le ramèneras dans le sol l'année prochaine et puis on ne va surtout pas changer une équipe qui gagne. Et ça passe dans le lait, la viande. Donc comme ça, on ira empoisonner l'humain qui est derrière, ce qui n'est pas très cool pour lui. Donc on a intérêt à le savoir pour s'en occuper puisque ça va déstructurer les animaux et puis les gêner. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous avez à mesurer ? Vous avez à mesurer le pH de votre sol, puisque dès que le pH de votre sol va commencer à partir en live, ou descendre trop bas ou monter trop haut, la toxicité à ces métaux va apparaître dans le sol et les végétaux. Donc forcément dans les animaux, puis les animaux qui sont derrière. Le premier danger que vous allez avoir, c'est s'ils s'accumulent dans le sol, vous aurez des dommages racinaires sur vos plantes. Les plantes, le voile racinaire, il s'effondre. Donc incapacité à se nourrir pour la plante, incapacité à résister au sec, donc des gens n'ont déjà pas beaucoup d'eau, si les plantes ne peuvent pas s'enraciner, ça va être compliqué de faire de la biomasse. Et puis de l'autre côté, bon, c'est des troubles de nutrition de la plante, puis derrière, c'est des troubles de nutrition des animaux. D'accord ? Et ne vous mentez pas, hein, c'est pas rare, hein, c'est même plutôt très fréquent. Donc vous mesurez votre pH, puisque ça va être le premier indicateur, que sur le plan minéral, ça ne va pas. Puisque le pH, il est intimement lié à l'équilibre minéral du sol, si le pH s'effondre ou monte, c'est que votre équilibre minéral de votre sol n'est pas correct. On est d'accord là-dessus ou pas ? Il y a certainement à réfléchir de pourquoi ça se passe dans ce sens-là. La deuxième chose que je vous recommanderais de mesurer après, c'est le taux de nitrate de potassium, sodium et calcium de votre plante et de votre sol. Et puis on peut faire un test à l'oxygéné, un test à l'acide chlorhydrique, et puis regarder la texture de son sol. La correction, elle reposera sur des sols hyperacides. Si vraiment ils sont acides,
à apporter des carbonates et des lithotames pour donner l'espace-temps au sol de se reconstituer, parce qu'il n'y a pas que ça à faire. Hein. C'est juste pour l'aider à remonter la pente. Voire sur des sols extrêmement basiques, utiliser de la silice pour chélater ces métaux. Voilà. Et puis, bien entendu, votre travail, ça sera certainement d'aller s'occuper de la matière organique et du rapport C/N de votre sol, parce que c'est peut-être aussi ça qui est le problème. Alors, je vous ai fait une grille de lecture. Imagine que j'ai ça dans mes fourrages. Je sais que je vais faire une analyse de sol, parce que je veux comprendre, je sais que mon sol ne marche pas, le sol ne marche pas, les plantes ne marchent pas, les bovins, ça ne va pas. Je reçois mon analyse, mon taux de matière organique. Alors, je vous mets 5 à 10% pour être dans le vert. Je suis content de ce que j'ai entendu ce matin, parce que souvent sur les bordereaux d'analyse, on vous met qu'à 2, 2,5, vous êtes les champions du monde. Ça peut être pour faire du blé, mais pour faire du fourrage pour les bovins, ça ne marche pas. Et plus vous allez monter en altitude, plus il vous faudra de la matière organique dans vos sols. Alors, il ne faut pas en avoir trop et qu'il ne se digère pas. Il faut surtout, effectivement, ne pas en avoir assez. Deuxième chose, elle est composée de quoi? C'est quoi le C/N de cette matière organique? On l'a vu à 10. Hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, après, on testera ces plantes. Alors, et puis son sol. Alors, on fait sa carotte de sol, on mesure le pH du sol. Un bon sol est 6,5, 6,8. Normalement, si vous mesurez le jus de la plante qui pousse sur ce sol, vous devez trouver aussi 6,5, 6,6. Le sol doit être à 6,5, 6,6, la plante doit être à 6,5, 6,6. Ce n'est pas possible d'avoir un sol à 5 avec une plante à 7, et ce n'est pas possible d'avoir une plante à 5,5 avec un sol à 8. Oui, mais, on est d'accord? Oui, mais souvent quand on le mesure, tu vas voir que ce n'est pas toujours très cohérent. Donc la première cohérence que toi, tu dois vérifier, tu fais ton jus de plante. Je dois trouver une plante à 6,4, 6,5, 6,6, je dois trouver un sol à 6,4, 6,5, 6,6. Ce n'est pas comme ça, le sol est comme ça, la plante est comme ça, ou c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là que tu vas commencer à avoir des problèmes. Les variations de pH du sol et les variations de pH de ta plante, c'est intimement lié au flux d'eau et de minéraux. Donc forcément, il va falloir en tenir compte pour les animaux derrière, par voie de conséquence. D'accord ? Sans analyse de fourrage, ça va être un peu comme ça, d'accord? Après, je vous recommande de mesurer les taux de nitrate. Alors, on peut mesurer les taux de nitrate des sols, on peut mesurer les taux de nitrate des plantes, simplement avec des testeurs. Aujourd'hui, il existe des testeurs, je vous ai montré tout à l'heure. Tu fais ton jus de plante, tu le mets sur ton testeur, tu as ton taux de nitrate. Une plante qui se nourrit correctement dans un sol qui va bien, vous devez la trouver, j'entends à la période végétative, entre 500 et 1000 ppm de nitrate. Pas à 2005 et pas à 300 crevant la faim. Ah, ça se fait sur les plantes vertes. Ah oui, obligatoire. Et puis vous ferez votre taux de Brix, ce sera la vision des sucres de votre plante. Vous devez trouver votre plante entre 7 et 15%. D'accord? Donc déjà ça permet déjà d'avoir une vision. Le sol est en ordre, la plante est en ordre, l'équilibre sucre-azote de la plante est normal. D'accord? Ou alors, j'ai une distorsion entre le sol et la plante. Et qu'est-ce qui va se passer dans mes animaux derrière? Hein? Le taux de Brix et le taux d'azote, lui, va varier. Par contre, le jour où tu l'as fait brouter ou le jour où tu la récoltes, je souhaite pour toi que le brix soit à 10-15%, je souhaite pour toi que le taux de nitrate soit à 1000 ppm. L'éleveur qu'on équipe de ça, si tu veux, il a d'un côté son réfractomètre pour pouvoir faire son taux de sucre, il a de côté son testeur de nitrate pour faire sa balance sucre-azote. Les bêtes sont en prairie, donc je veux aller vérifier ce qu'elles sont en train de manger et ce qui se passe pour elles. Je suis en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, j'ai rien à foutre. Je veux savoir jour par jour comment ça se passe. Quand je fais mon jus d'herbe, je dois le trouver à 6,5, pas à 5,2 et pas à 7, parce que à 5,2 ou à 5,5 ou inférieur à 6, ta plante elle se fait attaquer par les mycotoxines et les champignons, donc ça a incidence sur tes bovins. Et puis si le pH de l'herbe est très haut, c'est là que viennent les pathogènes sur l'herbe, entérotoxémie, colicépicémie et compagnie. Tu n'as pas envie non plus ça. Si tu n'as pas l'équilibre sucre-azote, tu ne peux pas faire fonctionner la chaudière de tes animaux. Alors, si tu n'as pas les sucres et que tu as trop d'azote, et si tes animaux rentrent à la maison le soir, par exemple, à toi de faire un repas de foin sucré. Si tes animaux ils mangent de l'herbe qui est très riche en brix et très pauvre en azote, à toi de faire un repas de foin de luzerne le soir ou d'ajuster l'azote dans ta ration, à condition que tu puisses faire quelque chose, mais tu ne peux pas les laisser comme ça. Maintenant, si tout au long de la saison, chaque fois l'éleveur, que ce soit avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, il y a toujours la distorsion dans le pH de la plante.
toujours de la distorsion entre l'équilibre sucre-azote de la plante, moi je te dis que c'est le foutoir sous tes pieds. Ce genre de choses. Donc si elles ont toujours navigué entre l'orange et le vert, sur les indicateurs que toi tu as mesurés sur l'herbe, si tu veux, bon, ben, tu sais que tu auras décapitalisé un peu la phase minérale et certainement décapitalisé la phase antioxydant. Donc peut-être qu'il faudra que tu prennes le temps de rentrer tes vaches un mois avant pour reconstituer ce capital avant l'accouchement. Par contre, si chaque fois que tu vas faire des mesures, là-haut, sur le plateau, elles sont dans le rouge, bah, peut-être quand même faudra prendre des dispositions là-haut. Parce que je ne suis pas sûr que ça va bien se passer. D'accord ? Alors concrètement ici, par exemple, si je vois des pH de plantes très bas, par exemple, et puis ou très, très élevés, et puis derrière des distorsions dans la capacité de la plante à faire son métabolisme des sucres et de l'azote, peut-être la première chose que tu as à faire, si tu ne peux pas corriger les sucres et l'azote, peut-être mettre à disposition du minéral et des antioxydants, en soi léché, un culbuto, j'en sais rien. Et on ne va pas me dire que ce n'est pas possible parce qu'on suit des éleveurs en montagne et qui mettent des culbuto avec distribution de minéraux, voire de mélasse, voilà, pour faire des corrections. Et ça, c'est possible sur des systèmes pastoraux. Tu comprends ce que je veux dire? Mais l'éleveur, il a bien un indicateur. Ouais, ça va frotter un peu, mais ça va passer. Mais si c'est dans le rouge, non, ça va aller au clash, quoi. Ça va, ça, ou pas, pour toi? Ça répond à ta question, ou pas? Hein? Et puis, si tu es dans l'orange, ça peut passer. Ça va frotter un peu, mais tu sais qu'un mois avant, tu rentres, et puis tu fais la correction parce que tu sais que tu vas rentrer une période physiologique des vélages, et que là, il faut faire gaffe. Et puis que là, il te faut bien un mois pour peut-être remettre ça à niveau. C'est bon pour... Ça répond à ta question, ou pas? Les autres aussi? En élevage laitier, bon, ça c'est plus facile, j'ai envie de dire, de faire au continu. Un éleveur laitier qui fait pâturer ses vaches tous les jours, je pense quand même d'aller vérifier tous les 2-3 jours, ça prend 20 secondes de faire une boulette d'herbe, je fais mon jus, la plante, son pH est bon, le brix est bon, le taux de nitrate est bon, roule. Il n'y a pas lieu de jouer l'apprenti sorcier à la maison. Si les taux de nitrate des plantes sont à chier partout, tu sais qu'à la maison, il va falloir que tu ajustes ton sucre, ton amidon. Si ton taux de nitrate il est effondré et ton taux de sucre est bon, toi tu sais qu'il va falloir ajuster l'azote à la maison. Pour un éleveur laitier, c'est important parce que lui, à ta différence, il va voir la jauge sur le tank en 24 ou 48 heures, ça monte ou ça descend. Hein. Donc ça, c'est quand même un outil qui permet quand même de se rendre compte de ce qui va ou va pas. Hein. Donc ça, je pense que ce n'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Alors, si jamais vous faites vos analyses de fourrage, parce que là, on est dans l'analyse du silo, on est dans l'analyse du fourrage qu'on va distribuer à ces animaux. Je commence à voir dans l'analyse des taux d'aluminium, comme je vous ai dit, à plus de 250 mg, du taux de fer à plus de 250 mg, et puis quelque part, calcium, phosphore, magnésium, on voit bien qu'on n'est pas dans les clous, il y a quand même un risque majeur sur les animaux. Sur le plan croissance, sur le plan santé, sur le plan mammaire, sur le plan cellule, sur le plan boiterie, sur le plan de tout ce que vous voudrez. En général, ce qui se passe, c'est que le désordre, il est dans le sol. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Et que ce sur quoi vous devez aller travailler, c'est se rendre compte que quelque part, l'équilibre argilo-humique ne se fait plus avec du calcium, du magnésium et puis du silicium, mais que progressivement, par dénaturation de vos sols, ce qui est venu faire la cohésion, c'est de l'aluminium et du fer. Alors, ils sont naturellement dans les sols. Hein. Mais par contre, si la cohésion de l'humus et de l'argile se fait correctement avec du calcium, du magnésium et du silicium, vous n'avez pas ce problème. Mais si l'homme ne s'en est pas occupé et que la déstructuration des sols est arrivée à ça, la cohésion se fera naturellement avec l'aluminium et du fer. Et là, par contre, vous allez mettre ça donc, dans le système nourricier des plantes, vous allez engendrer des dommages racinaires et vous allez commencer à accumuler les métaux dans l'alimentation de vos animaux. Et puis les autres troubles qui vont venir se greffer derrière, c'est une plante qui va s'appauvrir en magnésium avec les conséquences qu'on a vues ce matin, les rendements photosynthétiques qui baissent, s'appauvrir en phosphore avec des problèmes de fécondation, des problèmes d'élongation racinaire, des problèmes de fabrication d'ATP et de sucre, une perturbation dans l'absorption du potassium. Donc, elle n'arrive plus à régler ses flux d'eau. Donc, pour des gens qui sont dans des territoires pas très arrosés, vous allez vite pleurer hein, au niveau production végétale. Et puis, bien entendu, quand ça va rentrer dans l'animal, on va engendrer tous les désordres derrière. Donc, c'est quand même intéressant de s'en occuper. Les conséquences que vous aurez si vous laissez ces choses s'installer, c'est les sols, ce qu'il va y avoir, au lieu d'installer des azotobactères, des bacilles subtilis, des lactobacilles qui vous font que le sol fonctionne bien et que la plante est en bonne santé, ce qui va arriver tout doucement, c'est des pathogènes dans les sols
et puis des pathogènes sur les plantes, des troubles de conservation, des troubles de fonctionnement microbiologique de vos animaux. Après, il ne faut pas s'étonner d'avoir des entéros, des colliseptisémies, d'avoir des vaches qui meurent brutalement, des veaux qui sont malades. C'est normal, il y a déjà un problème grave du point de vue bactériologique sur le fourrage. C'est le sens de la conférence de M. Sellos qui vous expliquait que normalement, sur des végétaux en bonne santé, poussant sur en bonne santé, vous avez une flore autochtone sur le végétal et que cela est positif pour les animaux. Mais ce que vous aurez, ce n'est plus une flore autochtone. Vous allez voir, c'est une flore pathogène. Donc ça, il faut quand même savoir y faire attention. Alors, concrètement pour nous, si on voit qu'on commence à avoir des soucis dans le fourrage et les animaux, bien entendu, c'est le travail que vous faites. On va aller ouvrir les sols, on va regarder ce qui s'y passe. On va aller voir s'il y a des plantes bio-indicatrices qui nous renseignent que le sol est en dysfonctionnement. Des plantes qu'on n'aime pas, le rubex, la grossiste, la houlque, des choses comme ça, c'est quand ça nous renseigne quand même que ça ne va pas, les chiens à dents, les agrocystes tolonifères, sur des vaches, surtout les vaches allaitantes, parce qu'on a des prairies aujourd'hui en Centre-France qui sont à 100% de ces vacheries. Donc là, on a vraiment des troubles inflammatoires importants. Bon, d'autres plantes que vous, dans la Somme, vous ne devez certainement pas voir. Donc des renoncules, des sénessons, vous en voyez ? Celles-là, vous les voyez, celles-là ? Oui, bon. Ça, c'est des signes quand même, des dysfonctionnements. Et puis, les agrostis, c'est le signe qu'il y a eu des accidents climatiques, qu'il y a eu de la compaction, que le travail d'entretien, de régénération et de réparation n'a pas été fait. Et puis donc, ces espèces-là sont venues coloniser le milieu, elles sont venues occuper. Puis comme elles sécrètent des substances qui désherbent les autres, au fur et à mesure que la population augmente, elles désherbent toutes les bonnes espèces végétales, elles colonisent le milieu. Elles ont une propriété, ces espèces-là. Elles sont capables d'extraire tous les métaux du sol. Donc, si vous avez une prairie qui est à 100% comme ça, que vous l'ensilez, vous aurez des taux d'aluminium, de fer, de nickel, d'arsenic dans votre fourrage qui est phénoménal. Et je vous garantis que vous allez pleurer votre mère. Même si l'ensilage, il fait 18 de protéines. Donc, ça, c'est vraiment des plantes auxquelles il faut faire attention. Nous, chez nous, dans l'Est, on s'en sert pour décontaminer les sites industriels abandonnés. C'est juste pour vous dire. Elles ont une propension à accumuler les métaux. C'est phénoménal. Alors, toi, tu es dans quelle région ? Ah oui, on ne pas trop par là-bas, mais quand on va un peu plus sur le massif auvergnat, on a 100% des pâtures qui sont couvertes de ça, avec des taux d'aluminium de fou furieux. Ah ben la démarche, c'est de retravailler ton sol, c'est de chélater ces métaux dans le sol. Alors ça peut être des carbonates sur le sol très acide, ça peut être des silicates sur des sols à pH normaux pour faire des sels d'aluminium et de fer insolubles pour que la plante puisse refaire son travail de colonisation, de nutrition et que ça ne rentre plus dans la chaîne alimentaire. Alors, moi je suis éleveur, moi je vais vous donner des outils simples. Je vais dans ma prairie, je fais ma boulette d'herbe parce que ça je veux voir ce que mangent mes vaches, je fais mon jus d'herbe. Je fais un brix, ça me donne le taux de sucre. Je fais mon taux de nitrate, ça me donne mon taux de nitrate. Ça me donne ma balance sucre-azote. Je fais le pH de la plante. Je vais déjà avoir renseigné si cette plante, elle va bien ou elle ne va pas bien. Donc, vous avez ici, si le pH idéal d'une plante, c'est 6,4, 6,5. C'est comme ça, tout va bien. On ne va pas se prendre la tête, d'accord ? Si le pH commence à s'effondrer, tout de suite, si le pH de la plante s'acidifie, c'est que les minéraux qui l'alcalinisent, calcium, magnésium, potassium, sodium, commence à avoir un effondrement des macroéléments tampons. Donc ça veut déjà dire une plante qui s'acidifie. Je peux déjà penser que dans un laps de quelques semaines, quelques mois, si je ne fais rien, j'aurai les troubles liés au manque de calcium, magnésium, potassium, sodium, des pertes de production laitière, des animaux qui commencent à être fragiles d'un point de vue squelettique. Si c'est des petits veaux, ils ne font pas leur croissance. On le comprend facilement, ça. Si à l'inverse, le pH de la plante monte, ce que vous allez avoir, c'est des troubles de fixation de l'azote, du phosphore et du soufre. Alors, on aura des troubles nutritifs et des troubles structurels liés à la disparition progressive du phosphore et du soufre dans la plante. Bon, alors, c'est comme ça. Soit je fais une correction minérale, d'accord ? Soit je dis, il y a de la réserve dans les vaches, ça va passer. Mais je vais m'en occuper en les rentrant, recharger les batteries. Tu comprends ? Autre problème que vous devez avoir en tête, c'est que quand le pH de la plante s'effondre, bon, il y a un problème de déstructuration. L'autre problème, c'est des attaques possibles par des ravageurs, des insectes et principalement par des champignons. Le risque mycotoxine devient très important. Donc là, par contre, ça ne va pas être le même, le risque. Parce que si tu as ce risque-là, le pH de la plante s'effondre, ok,
Le risque minéral, peut-être que toi tu te dis, je vais corriger ça tranquillement à la maison, mais si tu commences à avoir des champignons qui attaquent tes plantes et puis sécrétion de mycotoxines, je ne te garantis pas que tu n'auras pas des avortements. Et je te garantis que ce ne sera pas de la BVD, de la fièvre Q et de la chlamydiose. Hein. Et si c'est un éleveur laitier, si vous retrouvez avoir ces mycotoxines, alors si vous rentrez ça dans un silo, parce que c'est au moment où vous récoltez l'herbe, si vous faites pâturer ça, vous allez voir ce qui va se passer sur la production laitière et vous allez voir ce qui va se passer sur les cellules du lait. Et vous n'y comprenez rien. Donc surveiller le pH des plantes, c'est aussi important. Qu'on les récolte ou qu'on les fasse manger en état. D'accord ? Première indication, c'est que le sol ne va pas. Deuxième indication, j'ai certainement une correction minérale à faire. Troisième indication, attention, champignons, mycotoxines et pathogènes. D'accord ? Ça va pour vous ? Bon, ça, c'est quand même assez facile à faire. Hein ? Il y a une grille de lecture qui est assez facile. Voilà, après le taux de nitrate, on veut bien le comprendre. Est-ce que la plante se nourrit bien ? Est-ce qu'elle est capable de nourrir l'animal ? Est-ce que je suis dans l'équilibre sucre-azote ? Les excès de nitrate dans les plantes ? Une plante à l'équilibre qui nourrira vos vaches, si vous faites un réfractomètre, vous devez vous trouver entre 7 et 15%. Et en face, vous devez avoir vos 700, 800, 1000 ppm de nitrate. Je suis à l'équilibre sucre-azote. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Ça fait du lait, ça fait de la croissance, je n'ai pas de distorsion. Ça se passe bien. Si les taux de nitrate sont trop faibles, déjà, votre plante, elle ne se nourrit pas, elle ne peut pas faire sa croissance. Et puis, votre animal, s'il la broute, ou si vous allez l'ensiler pour la faire manger, le problème, c'est que vous n'aurez pas la densité azotée pour faire votre production. D'accord ? Vous le retrouverez, vous inquiétez pas, l'analyse du fourrage. Si par contre le taux de nitrate est trop élevé, là le problème, vous avez des risques de santé importants pour les animaux. Alors vous les laitiers, vous ne serez pas gênés, ça va faire du lait. Par contre, je ne vous garantis pas que ça se passera bien sur le plan cellule, sur le plan repro, je ne vous garantis pas que ça se passera bien sur le plan de la vie embryonnaire. Et je ne vous garantis pas que sur des petits, ça se passera bien sur le point de vue respiratoire. Et puis digestif, entéro et compagnie. Donc, il va peut-être falloir agir ou les sortir de cette pâture ou faire une compensation. D'accord ? Alors, après, on peut aller plus loin si on veut. Aujourd'hui, on a des testeurs qui nous sont capables de mesurer les taux de potassium et de sodium. Alors, ça, c'est surtout intéressant pour des gens qui gèrent des vaches taries au pâturage ou des gens qui gèrent des vaches allaitantes qui vont accoucher au pâturage. Parce que si vous avez des taux de potassium extrêmement élevés dans les fourrages et que vous ne gérez pas le contrebalancement avec du magnésium, je vous garantis que ça ne va certainement pas accoucher dans de bonnes conditions. Alors, je ne vous recommande déjà pas de laisser les vaches au pâturage ou de leur amener du magnésium. Et si c'est des éleveurs laitiers, je ne vous conseille surtout pas de laisser les bêtes là parce que je ne vous garantis pas de ne pas en avoir une par terre ou deux ou trois ou quatre par terre au vélage. D'accord ? Donc ça, aujourd'hui, on a quand même des outils d'anticipation qui nous permettent de dire que c'est dangereux pour l'accouchement ou pas. Eh bien, en fait, si tu vas dans une prairie, toi, tu as tes vaches, elles sont au pâturage, puis tu dis, ben, moi, j'ai envie de les laisser accoucher là, parce que ça m'arrange bien, si tu veux. Si tu mesures ton taux de potassium de ton herbe, on sait qu'il ne faudrait pas dépasser 4000 ppm. Si tu sais que tu as 9000 ppm sur ton testeur, tu as deux solutions. Ou tu sors les vaches du pré avant qu'elles accouchent, parce que je ne te garantis pas qu'elles accoucheront dans de bonnes conditions. Ça ne pousse pas, ça ne délivre pas. Torsion de matrice, veau mal positionné, prolapsus utérin, métrie, non-délivrance. Donc, si le taux de potassium est très élevé, l'autre solution, c'est de ramener du chlore, du magnésium et du sel aux vaches au pâturage pour rebalancer ton potassium et ton magnésium. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent de nous renseigner. La plante se nourrit correctement. Elle se nourrit de façon équilibrée ou pas. Le sol va bien, va mal. Et est-ce qu'il y a un risque potentiel pour les animaux ? Hein ? Alors, je vous ai fait un tableau de cohérence. Comme ça, c'est plus simple. Si vous mesurez l'herbe que vous êtes en train de pâturer, vous mesurez le fourrage que vous allez aller récolter pour mettre dans un silo ou que vous allez mettre dans une botte d'enrubanage, vous pressez le jus de la plante, que vous la fassiez manger ou que vous la fauchiez pour la récolter, au moment de la fauche, votre plante doit être entre 6,4 et 6,6. Je répète, si c'est trop bas, problème calcium, phosphore, calcium, magnésium, sodium, potassium, et puis risque mycotoxine, le pH est trop haut, risque soufre, phosphore et risque bactériologique. Si j'ai mes nitrates, je dois avoir une loi de cohérence. 5% de sucre, 500 de nitrate, ainsi de suite, ainsi de suite. Équilibre, c'est sur elle. Et si je ne veux pas avoir d'emmerde sur mes vaches, bon, si je suis sur des vaches taries, je ne cherche pas des densités très très fortes sur le plan nutritif, je sais qu'il ne faudrait pas dépasser 3-4 000 de potassium.
si c'est des vaches laitières, ça ne me dérange pas d'avoir ça pour stimuler la production laitière. C'est bon pour vous? C'est clair ou pas? Alors après, bien entendu, on peut faire de la bioélectronique des sols. S'il y en a qui ont écouté M. Husson, c'est sa spécialité. Je ne pense pas que ce soit ce que vous allez faire demain. Parce que vous avez des choses beaucoup plus simples à faire avant. D'accord? Hein? Oui, je pense que vous avez des choses beaucoup plus basiques à faire. Cependant, c'est vrai que c'est intéressant, donc, sur des sols, de faire une expertise un petit peu plus étoffée. Et quand on fait des mesures de bioélectronique de sol, ça se positionne comme ça. On a un lecteur, on a des sondes qu'on fiche dans le sol qui nous permet donc de quantifier l'activité biologique et le fonctionnement des sols. Alors pour vous, de façon très simple, donc nous quand on fait ça, bon voilà par exemple c'est sur une prairie, hein. Il y a une prairie avec du trèfle blanc, du raie gras, une autre elle est en dactyle pur, l'autre elle a, il y a du rumex, alors j'ai testé le rumex, j'ai testé le pissenlit. Voilà, vous pouvez faire un commentaire de ces différentes plantes prélevées dans la pâture. Alors qu'est-ce que tu vois? Alors j'aurais pas dû mettre en rouge parce que le trèfle blanc raie gras il était 6,5, donc c'est bien ça. Après le dactyle, bon ben il a baissé un peu. Donc ça tu sais qu'il va falloir peut-être penser calcium magnésium dans la ration de tes vaches derrière. Si je vois mon rumex, bon ben lui il est super acidite, il est super acide. Heureusement qu'elle ne le mange pas. Hein. Et puis le pissenlit, bon, il est aussi légèrement acide. Si je fais une correction minérale derrière, ce n'est pas très grave. D'accord? Après, j'ai mesuré les taux de nitrate. Normalement, une plante correcte, je répète que c'est 8, 9, 10 de Brix en consommation en prairie. C'est des vaches qui étaient en prairie. Et vous devriez être à 800, 900 000 ppm donc, de nitrate. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, la base qu'elle mange, vous êtes d'accord que les vaches, elles sont en prairie, elles vont manger quoi sur cette prairie? Elles vont manger tout ce que trèfle blanc, raie gras, et puis elles vont peut-être pas manger le reste en premier. On est d'accord? Vous voyez que j'ai 6% de Brix et j'ai 1200 de nitrate. Est-ce que je suis équilibré sucre-azote? Je reviens en arrière. À 6 de Brix, je devrais avoir 600 ppm. D'accord? Je reviens ici. Mon herbe, elle est à 6 de Brix et 1200 ppm d'azote. Donc j'ai un excès azoté, on est d'accord? Par rapport à l'énergie apportée. Donc là, je te dis qu'il va falloir faire quelque chose si c'est des vaches laitières. Regardez les autres, le rumex pissenlit, on a 2500, 2300 ppm d'azote. D'accord? Chez nous en Suisse, les vaches qui bouffent ça, en général, c'est les montgolfières. Tu sais pourquoi? Elles se mettent à gonfler, à météoriser. Si tu veux que ça ne météorise pas, tu amènes du sucre, tu amènes du sel et c'est fini. D'accord? Regardez les taux de sodium de l'herbe. 250 pour ce qu'elle consomme, c'est 150, hein, la valeur normale. Et puis tout le reste à 50. Donc tous les autres, le dactyle, le rumex, le pissenlit, avec des taux de nitrate comme ça, pas de sucre, pas de sel, vous oubliez le sel, vous oubliez de mettre du sucre, vous pouvez aller attacher les vaches, c'est la fête des ballons. C'est quand même intéressant pour aller mesurer ça. Et on comprend pourquoi elle ne le mange pas. Ça va pour vous? D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont maintenant, qui vont rentrer dans les mœurs des agriculteurs. Alors bien entendu, après, il faudra aller faire les investigations de qu'est-ce qui se passe dessous, parce que si ça se mâle dessus, ça se passe mal au-dessus, c'est que ça se passe mal dessous. Donc il y aura un minimum d'analyse de sol à faire. Voilà, je vous ai mis une grille de lecture ici, bon, on l'a vu tout à l'heure sur la matière organique. Ici, pour moi, il n'y en a pas assez. Ici, le taux de carbone, bah, il est peut-être un peu juste. Ce serait plutôt mieux à 4, certainement. Le taux d'azote, il est élevé. Le C/N, il est à peu près correct, mais le taux d'azote est trop élevé. Après, on peut travailler sur les effluents et on peut travailler sur donc les fourrages. D'accord? Alors après les actions correctrices, ben, ça restera dans la phase d'urgence, j'entends, parce que c'est pas ça qu'on fera peut-être au long terme. La restructuration d'un sol, ça passe par un travail de longue haleine, mais il y a un moment donné, quand les vaches elles sont en acidité, en déminéralisation, ben, faut peut-être les aider un peu. Un sol qui, à un moment donné, vraiment bave de trop, il faut savoir peut-être un peu l'aider. Donc sur des sols hyper acides et très très dépourvus en calcium magnésium, à un moment donné, si la plante en souffre énormément, il faut quand même aider cette plante et ce sol. Enfin, imaginez que ça va se faire tout seul. Enfin, je ne sais pas quel est votre raisonnement là-dessus.
Si on est des sols extrêmement basiques et il y a très peu de silicium dedans et ça ne marche pas, la vie microbiologique, les plantes ne marchent pas, aller mettre un peu de silicium dans ces parcelles semble tout à fait cohérente. Et puis d'ailleurs, quand on le fait, ça va plutôt mieux. Le temps de se laisser 7 ou 8 ou 9 ans pour faire un vrai travail de régénération des sols qui, lui, prendra du temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche ou pas? Alors, je répète que si sur des sols hyper acides de montagne, et puis que vraiment, vraiment, que tu as un sol qui est décarbonaté au sens carbonate, hein, il va falloir quand même l'aider. Il n'y a pas d'histoire. Ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Enfin, moi, je vois pas que ça se fait tout seul. Je pense qu'il y a un minimum de travail d'amendement. Par contre, quand on est sur des sols basiques, ou des sols déjà régulés sur le plan acido-basique, mais qu'il y a des désordres de fonctionnement sur la plante, des désordres minéraux sur la plante, le silicium est un très bon amendement pour aider le sol et la plante à accélérer le travail de régénération. Alors, ce n'est pas utilisé en France, c'est beaucoup utilisé sur le territoire africain, parce que c'est une stratégie qui est assez efficace et peu coûteuse. Parce que moi, ça me parle, parce que j'arrive à rattraper des problèmes de diarrhée grosse avec le silicium. Ce qui est normal, parce que le silicium, il va modifier la flore. Le silicium, dans tous les milieux où tu vas le mettre, il va modifier la flore, enlever la flore pathogène et ramener la flore qui t'intéresse. Donc dans les sols azotobactères, lactobacilles, bacilli subtilis, dans le tube digestif des animaux, réduire la flore pathogène, donc tout ce qui est colis, tout ce qui est salmonelle, tout ce qui est clostridium. Donc c'est normal que tu aies des effets. Et tu améliores l'hydratation de la plante et tu améliores l'hydratation de tes petits veaux. Ah, alors, les sources de silicium, il y en a grosso modo 3 sur la planète. C'est un minéral qui représentait à 27% sur la planète. Le calcium, pour mémoire, c'est 4%. Hein. Et on ne vous en parle jamais de ce minéral. Il y a 27% de silicium sur l'écorce terrestre, 4% de calcium, et je crois 2-3% de magnésium. Donc le minéral le plus représenté, c'est le silicium, et on ne vous en parle jamais. Mais on est d'accord qu'il n'est pas réparti de façon homogène sur l'écorce terrestre, comme les terrains calciques. On est d'accord qu'ils ne sont pas répartis de façon homogène sur la planète. On est d'accord là-dessus ou pas? Donc de façon claire pour vous, vous êtes sur des terrains très calcaires, très argilo-calcaires, saturés en CaO, les taux de silicium sont très bas. Voilà. Si vous êtes sur des sols extrêmement sableux ou sur des sols très riches en quartz, donc là ils sont très acides, décarbonatés, pas de carbonate dedans, souvent pas de magnésium, par contre on a le silicium. Donc ça c'est les deux extrêmes, et puis ensuite il y a les sols intermédiaires. Si on est obligé de ramener du silicium dans un sol, vous aurez 3 sources. La première source, elle peut être organique. C'est des plantes qui accumulent le silicium. Vous avez principalement l'ortie et la prêle. Alors, en général, quand vous voyez des orties et des prêles, c'est qu'il y a probablement un peu de silicium dans le sol quand même. Parce que c'est des plantes qui l'accumulent. Alors, il y a des gens qui la cultivent en Allemagne, qui la sèchent, qui la broient, et puis on récupère du silicium organique. Bien son nom, hein. Il est origine d'extraction végétale, mais celui-là en général, il part dans la pharmacie humaine, parce qu'on se sert de ça pour régénérer la matrice osseuse en post-chirurgie, les arrachements tendineux, les claquages musculaires, les phénomènes d'ostéoporose chez l'homme. Donc c'est un reconstructeur de la matrice musculo-squelettique. Donc celui-là en général, vous le trouverez plutôt sur des préparations à usage humain, ou alors pour le chien et le chat, par exemple. D'accord. Ensuite, vous avez une autre origine, qui sont les silices de diatomée. Les diatomées, c'est des micro-organismes marins qui sont capables d'accumuler donc, ce silicium. Alors, en fait, c'est récupéré, c'est des diatomées qui sont mortes, et puis c'est broyé. En fait, ça ressemble à de l'argile, hein. C'est une poudre de diatomée, hein. Ça ressemble à de l'argile. Alors, ce qui est embêtant avec ça, c'est qu'en fait, ces silices de diatomée, elles ont déjà chélaté l'aluminium et le fer. Donc c'est des silicates d'aluminium et des silicates de fer. Donc si on vous vend des silices de diatomée, oui, vous aurez de la silice, mais une silice qui est chélatée avec du fer et de l'aluminium. Donc c'est-à-dire qu'elle a déjà chélaté les métaux, ce qu'elle a fait, elle ne le refera pas dans vos animaux, elle ne le refera pas dans vos sols, puisqu'elle est déjà liée. D'accord? Alors on s'en sert principalement de cette silice de diatomée. Les éleveurs bio utilisent ça pour mettre au fond leur silo de grains. Donc, pour pouvoir absorber l'humidité des graines qui sont difficiles à conserver, j'entends des bétails grains ou des choses comme ça, ou par exemple des balles d'épeautre, c'est des trucs qui sont toujours un peu difficiles à sécher. Donc, ils mettent de l'acide de diatomée au fond, comme un séchant. Ou ils mettent de l'acide de diatomée sous la paille, comme un séchant. C'est une argile, hein, donc ça pompe l'eau.
Et par contre, la silice, elle ne sera pas active sur vos animaux, vos sols, puisqu'elle est déjà chélatée. Puis la troisième type de silice que vous aurez, c'est du quartz pur. Bon, ça vient principalement d'Autriche et d'Allemagne. Hein. C'est des carrières de quartz très très pures. Et quartz, ça sert à faire quoi? Ça sert à faire les piles photovoltaïques. Et ça sert à faire quoi? Ça sert à faire les bijoux Swarovski. Et ça sert pour faire du verre. Donc souvent, ben, vous avez des poudres de quartz, des poudres de verre, hein, dans l'industrie du verre, qui sont micronisées. Et puis c'est ces poudres-là, alors là, c'est du silicium très pur. Donc c'est pour ça que les siliciums que vous utiliserez en agronomie sur les animaux, c'est souvent des poudres blanches, hein, comme des sels blancs, extrêmement purs. Par contre, ces molécules-là ont un vrai impact sur le sol, ou sur les végétaux, ou sur vos animaux. Alors, sur les végétaux, ça se met à la dose de 300 grammes à l'hectare. Ça oriente les fermentations plutôt vers des choses positives, ce que l'on veut, pour avoir les bonnes bactéries, les bons champignons, soit dans le sol ou dans les lisiers ou les fumiers. Et puis si tu les mets dans le tube digestif de tes animaux, ça va orienter ta flore microbiologique et chélater tes métaux indésirables. D'accord? Ça va pour vous? Alors, je suis éleveur, on en a déjà fait un bout, hein. On a déjà discuté d'un certain nombre de choses. Ben, déjà, première chose que je vais vous demander, ben, quand vous recevez vos fourrages, première indication que je vous demande de regarder, qui est un indicateur de fonctionnement du sol et de la plante, à condition que le laboratoire vous le donne, qui vous donne ce taux de fer et ce taux d'aluminium. Ça va vous renseigner tout de suite sur l'état de fonctionnement des sols, sur la capacité de la plante d'interagir avec le sol et d'une toxicité possible pour vos animaux. C'est les trois informations. Ah oui, alors le laboratoire, le LANO, laboratoire d'agrobiologie de Normandie, je ne sais pas si vous avez déjà fait des années chez eux, le LANO à Saint-Lô, et ils font ça de façon courante. Il suffit de leur demander, mais c'est dans les panels d'analyse courante. Alors, faut dire, ça fait des années qu'on leur a demandé de le faire aussi, mais ils le font très couramment. Donc si vous avez des fourrages qui sont propres, au sens que vous n'avez pas mis de terre dedans, hein, la terre contient des métaux, alors s'ils ne sont pas dans le complexe argilomique, s'ils ne sont pas dans le frigo de la plante, ce n'est pas un problème, ça devient un problème quand ils rentrent dans la chaîne alimentaire. Donc, si le fourrage est propre, alors pour nous, on regarde le taux de cendre. Si le taux de cendre est inférieur à 110 mg, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terre dans le fourrage, et qu'on a plus de 250 mg d'aluminium ou de fer, on sait qu'on a de la toxicité aux métaux, et on sait que le sol est en vrac, et on sait que la plante est en vrac. Et on sait que le bovin qui va être derrière va être en vrac. Et si c'est une chèvre ou un mouton, ça va peut-être crever. Ce n'est pas des vaches. D'accord? Donc, là, on sait qu'il va y avoir des effets sur les plantes qu'il va falloir gérer sur les animaux. On va le gérer sur les animaux, ensuite on va le gérer sur les sols et les plantes pour que l'année prochaine, on arrive à se sortir de ce cercle vicieux. D'accord? Je répète que si vous allez en prairie, je vais faucher ce métail, je vais faucher ce règre à trèfle, je vais faucher ce maïs pour le mettre dans silo, je vais faire brouter cette herbe par la vache, je vous demande de mesurer le pH des plantes. À la récolte. Vous faites votre pH, votre Brix. C'est le minimum syndical que je vous demande. Il faut un Brix pour assurer la conservation. D'accord? Et puis, il faut un pH pour s'assurer que ça va bien se passer. Je n'ai jamais vu dans ma vie un vigneron alsacien déclencher la vendange sans faire le Brix de son raisin. Je n'ai jamais vu un arboriculteur alsacien déclencher la cueillette des pommes sans aller faire le Brix des pommes. Je vois tous les jours des éleveurs alsaciens qui déclenchent les fauches sans faire les Brix. Ont-ils raison? Non? Les autres agriculteurs ne le font pas. Pourquoi? Nous, on va faucher. Bon, on y va. Hein? Ah oui, mais bon, il ne faut pas qu'il fasse beau pour la vendange, il ne faut pas qu'il fasse beau pour les pommes. Alors, concrètement pour vous, si vous allez faucher un fourrage qui est à plus de 15% de Brix, et qui a un pH normal, c'est-à-dire 6,5, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que déjà le fourrage, il va bien, c'est-à-dire que la plante, elle va bien, on n'est pas en train d'aller faucher une plante malade. Deuxième indication, c'est que ça va être très facile à acidifier. D'accord? Donc ça va être facile à acidifier, très rapidement. Donc je sais que je vais avoir une conservation qui va partir dans le bon sens. Si je fais de l'ensilage, si je fais du foin, je vais faucher de l'herbe à pH 6,5 et puis à 15% de Brix. Si je la fauche à pH 5,8 et puis 3% de Brix, il me faut 2 jours de plus pour la sécher.
Et pendant les 2 jours, je te dis que c'est 2 jours d'écart pour la sécher. Donc, et pour préfaner de l'ensilage, tu le fais à 15%, 6,5 de pH, ou tu le fais à 5,5 de pH, et puis à 3 de Brix, je te dis qu'il va falloir une journée de plus pour l'amener à la même matière sèche. Donc si tu attends une journée de plus, tu seras à la même matière sèche, mais tu auras des problèmes d'acidification ou de conservation. Et si tu le récoltes le lendemain comme d'habitude, tu vas faire de la soupe. Parce que plus le Brix est haut, plus ta plante elle se préfane et sèche vite. Donc nous, on le sait chez nous, dans le Jura, tu vas faucher à 15%, tu vas faucher à 5%, c'est 2 fois plus d'électricité dans le séchage en grange. Et tu n'es pas sûr que tu ne vas pas foutre le feu. Ça va pour vous? Et un fourrage qui n'a pas ses sucres et qui a son mauvais pH à la récolte et qui va être long à préfaner, à sécher, il s'oxyde. Donc ça, c'est la deuxième sanction. Ça va? Et quand on va faire le pH redox de fourrage, tu vas le voir tout de suite que ça s'est mal passé le jour de la récolte. Et tu ne vas pas te mentir. Si tu sales, comme le font les éleveurs dans le foin de croc, si tu sales à la fauche et que tu extrais l'eau par le préfanage, je l'entends, et si tu me mets du sel dans le silo ou dans la botte, tu vas faire transpirer ton silo et ça va couler de partout. Et ça dépend combien t'en mets, c'est toujours pareil. Alors moi, de toute façon générale, pour les gens qui font des produits fermentés, s'il y a les sucres et que le pH est normal, il faut travailler proprement, tasser comme il faut, fermer comme il faut, et ça va bien se passer. Mais si le pH il n'est pas assez bas, et puis s'il n'y a pas les sucres, sans agent de conservation d'acidification sur le tas, vous rêvez tout debout. Hein. Tu sais que tu dois mettre un agent de conservation, obligatoirement. D'accord? Voilà. Donc ça, on peut... Et puis après, on règle ses hauteurs de fauche et ses récoltes. Alors, pour essayer d'avancer, je fais mon pH de plante. Si le pH est normal, pas lieu de m'inquiéter. Le pH est trop haut, je sais que ça va être compliqué d'acidifier. Le pH est trop bas, moi je te dis que tu as des risques de mycotoxines et de dysfonctionnement. Voilà. Après, on va mesurer le taux de ppm d'azote. Si j'ai beaucoup d'azote et pas de sucre dans mon ensilage, vous allez voir que le pouvoir tampon d'ensilage est tellement fort que vous aurez des difficultés à l'acidifier. Donc si vous ne mettez pas de conservateur, pour moi ça va être très compliqué. Si le fourrage n'est pas riche en azote et riche en sucre, l'acidification, la conservation ne va pas poser de problème. Les testeurs qui sont faits pour les plantes, ils testent que le NO3-, partant du principe que c'est sous cette ferme-là que la plante absorbe le mieux l'azote. Donc ils sont conçus pour ne doser que le NO3. Alors, ça, c'est pas moi, mais c'est... Si c'est trop bas, étale les sucres, ça va très bien se conserver. Et puis en général, le produit ne sera pas oxydé. Tout ce que tu sais, c'est que toi... Tu as intérêt de faire une analyse du silo parce que tu sais qu'il va peut-être falloir réajuster ta quantité de protéines derrière. Alors ce que je vous recommande par contre, c'est quand vous allez recevoir l'analyse de fourrage. Alors quand vous recevez votre analyse de fourrage, vous êtes censé avoir la vision C sur N. Donc on va vous donner des notions de cellulose bruse, de digestibilité, de NDF, d'UF, de MAT, de PDI. Ça, c'est la puissance du système et l'équilibre énergie-protéines. On est d'accord? On a dit que ce n'est pas suffisant. On doit vous rendre comme information les taux de calcium, phosphore, magnésium, potassium, sodium, soufre, chlore, kinéfis, tobacco. Vous devez avoir ça. Et ensuite, vous devez avoir la notion fer, aluminium et les antioxydants, puis zinc, manganèse. Si c'est un produit fermenté, le pH, là, vous avez peut-être pu mesurer chez vous à la maison, acide acétique, acide butyrique, acide ammoniacal, qui vous renseignera que le produit est bien conservé et n'est pas dangereux pour les animaux. Alors, je vous ai fait une grille de lecture. Foin, regain, voilà ce que vous êtes censé avoir en valeur de référence. Ensilage d'herbe, ensilage de bétail, voilà ce que vous êtes censé avoir en valeur de référence. Alors c'est au-dessus, c'est dans le tir. Voilà ce que vous devez avoir sur du bétail. Première chose que je vais regarder, moi, personnellement, je veux voir si l'interaction sol-plante s'est bien passée, est-ce qu'il y a un danger pour mes vaches. Je vais regarder aluminium, fer, manganèse. Si, c'est déjà dans le rouge, ne te prends pas la tête avec les valeurs alimentaires. La priorité vitale des animaux est de dépolluer le tube digestif de ces merdasses et d'ajuster les minéraux derrière. C'est ta priorité première. L'énergie, la protéine n'est pas ta priorité. Ta priorité, c'est d'éliminer ces merdasses. Donc, forcément, la deuxième chose qu'on va aller regarder, c'est les taux de calcium, phosphore, magnésium, puisque eux... C'est ceux-là qui vont pénaliser. Donc, ajuster ta fonction minérale, parce que toi, ce que tu veux, c'est arrêter
de déstructurer tes animaux, arrêter d'avoir des vaches qui ont des mammites et des cellules, arrêter d'avoir des problèmes de repro, arrêter d'avoir des problèmes de veaux malades, arrêter les problématiques. T'en es pas à faire de la production, t'en es à régler tes problèmes sanitaires. D'accord ? Non mais qu'on s'entende, on gère des priorités. Une fois que ça s'est fait, on peut peut-être reconstruire la ration après pour produire. Mais d'abord on gonfle les pneus, puis on retend les courroies, hein ? D'accord ? Et puis si on a ça dans la ration ou dans les fourrages, obligatoirement on se dit, putain, dessous, il y a un problème. Donc on va faire les investigations sous-sol, parce que je viens de faucher, peut-être que j'ai des actions à faire sur mon sol pour continuer ma période végétative. On est d'accord ou pas? Si je reçois mes analyses au mois de septembre, avec cette merdasse que je vais nourrir mon troupeau tout l'hiver, je sais déjà que je vais avoir deux olives entre les deux fesses, mais je vais gérer. J'ai géré, hein, d'accord. Et puis je sais que c'est l'automne, c'est peut-être maintenant qu'il faut s'occuper des analyses de sol et puis de faire les corrections sur le sol pour qu'au printemps suivant, on ne recommence pas. On est d'accord? Enfin, moi, ce n'est que ma vision, hein, c'est tout. Hein, c'est pas... Voilà. Et puis alors, bien sûr, qu'on aura des choses à faire sur les animaux. Alors, pour vous, les éleveurs, moi, ce que je vous demande, c'est de pas... déjà de travailler avec tout ce qu'il y a à l'échappement. Donc, on prend des bouses, on tamise les bouses. Digérer, pas digérer. Pas digérer, pourquoi? Deuxième chose, qu'est-ce qui sort au trou du cul? Qu'est-ce qui pisse? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le pH, la densité, le Brix. C'est en état ou c'est pas en état? D'accord? On va déjà commencer par ça. Le lait, tank. Lait de tank, c'est comment? Le Brix, le pH, la densité. C'est bon ou c'est pas bon? Et on commence à discuter déjà avec ces indicateurs extrêmement simples. Ça va ou pas? Après, on peut passer à d'autres choses, je l'entends, mais on peut déjà commencer par ces indicateurs très simples. Alors, je vous ai refait une grille de lecture. Si c'est des bouses, vous reprenez votre pH mètre contact de sol, les vaches chient devant moi. Allez, hop, un pH de merde, un pH de merde, un pH de merde, un pH de merde. C'est quand même pas compliqué à faire, on va dire. Alors, après, je passe au tamis. Elle chie devant moi, pH. 6,5, 6,8. Oh putain, en vert, ça va bien. J'ai pas de risque majeur. pH fécal, acide. Ça veut dire quoi? Trop d'amidon dans la ration, trop d'amidon dans l'intestin, trop de digestion intestinale, le rumen n'est pas à l'équilibre, je perds du lait, je perds de la croissance, c'est inflammatoire, j'ai mal aux pattes, j'ai des problèmes de mammites, j'ai des problèmes de cellules, j'ai des vaches qui ont des tarsites, j'ai des problèmes d'érosion sur les tarses, j'ai des signes inflammatoires, des troubles cicatriciels. Si je suis en pH élevé, ça c'est pour les consommateurs de luzerne et pour les vaches allaitantes qui mangent beaucoup de fourrage, mon risque majeur, trop d'azote bypass, avec des fourrages pas très digestibles, et si c'est des vaches allaitantes ou des vaches laitières, j'ai un risque de colisepticémie très élevé. Donc les voix chiasses, c'est moi. Les mammites et cellules, c'est moi. Des risques sanitaires extrêmement importants. Une étude qui a été faite chez l'homme il n'y a pas très longtemps, où ils se sont intéressés à prendre tous les pH fécaux des humains rentrant dans l'hôpital pour tous les motifs d'entrée. Varices, corps au pied, cancer, AVC, cardiovasculaire, accident de voiture, accident d'hélicoptère. Et puis ils ont classé sur pH fécal. Tous les humains, pH fécal 6,5, 6,8, taux de survie 17%. C'est un accident d'hélicoptère, mais avec un pH fécal normal, un microbiote normal, c'est normal que tu meurs. Tous les pH en dessous de 6,5, 39% de mortalité, choc inflammatoire et septique. Même si tu viens pour une bête varice, tu sors avec les planches. Au-dessus de 7, 43% de mortalité. Incroyable, non? Donc, je vous dis que mesure un pH fécal pour un éleveur, c'est intéressant. Un, ça renseigne équilibré. Trop bas, inflammatoire. C'est normal qu'elles aient des plaies, qu'elles soient inflammées, qu'elles aient mal aux pattes, qu'elles aient mal aux jarrets. Elles ont mal aux pattes, elles ont des problèmes de mammites et de cellules. C'est normal. Donc, pourquoi c'est comme ça? Le pH fécal est trop élevé. Je vous dis que sur le plan septique, ça va être compliqué. Deuxième étape, je ramasse mes bouses, je tamise mes bouses avec un tamis, ça va me renseigner. Le rumen fonctionne, oui, non. Et à l'échappement derrière, ça marche, oui, non. Si les tamis sont chargés, parce que normalement, vous devez récupérer maximum 10% dans le tamis, plus vous mettez de la merde à l'échappement,
plus vos vaches consomment de matière sèche pour ne pas faire de lait. Comme ça qu'on voit des troupeaux qui mangent 22 kg de matière sèche pour faire 35 litres de lait, puis d'autres qui bouffent 29 kg de matière sèche pour faire 22 litres. Qui gagne de l'argent? Et le pire, c'est celles qui mangent beaucoup, qui ne font pas de lait, sont malades. T'es d'accord ou pas? Donc ça, c'est quand même facile pour l'éleveur à mesurer. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Deuxième étape, prends les pipis. Hydraté, pas hydraté. Réfractomètre de Briggs, réfract de densité. Et le pH urinaire, elle régule pas. Ça va? Ah, déjà vu. Donc ça, c'est encore pas très compliqué à faire. Et puis ensuite, on peut mesurer le pH du lait. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le pH du lait, 6,4, 6,6. Le pH monte. En général, ça, on voit souvent chez les vaches qui bouffent beaucoup de luzerne, beaucoup de dactyles. Donc ça, c'est des plantes à digestion très, très, très boyaux, pas très ruminales, et plutôt assez inflammatoires. Et puis, à l'inverse, on a des vaches qui mangent des choses très fermentescibles, comme de l'herbe jeune et de la céréale. Là, on peut avoir de l'acidité plus marquée. Mais à la limite, pour moi, c'est plutôt un peu moins dangereux. Ou si j'ai trop de maïs dans la ration, et trop de maïs qui arrive dans les bouses, on peut voir aussi en engraissement, hein. Donc une acidité intestinale importante avec quand même des risques inflammatoires et septiques. D'accord ? Bon, ça c'est quand même facile à faire, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, le colostrum, peut-être que vous le faites ou pas. Donc le réfractomètre, il vous sert aussi à quantifier la qualité du colostrum. Un colostrum de bonne qualité, c'est pareil, hein, c'est autour de 6,5 de pH, normalement autour de 25 à 30%. S'ils sont tous comme ça, ben, pas de raison que les veaux soient malades. S'ils ne sont pas comme ça, c'est que la vache, elle n'est pas nourrie comme il faut avant vélage. Ça va pour vous? Vous voyez que déjà le réfractomètre, on en fait déjà pas mal de choses. Hein. Voilà. Puis après, le sang, c'est ce qu'on va faire en bioélectronique. Et bon, ça, vous n'êtes pas forcément le faire maintenant. Aujourd'hui, on est capable de mesurer à peu près tout sur le sang, puis vraiment faire une orientation assez fine de ce qui se passe dans le troupeau, par rapport à ce qu'elle mange, par rapport à ce que sont les plantes, par rapport à ce que sont les sols, par rapport à ce que sont l'eau. D'accord? Voilà. Lui, je l'aime bien. Il est un peu réactionnaire, mais je l'aime bien. Hein. Et je pense qu'il n'a pas dit que des bêtises. Hein. Je pense qu'effectivement, si on peut remettre les vaches à l'herbe, là où là, elles n'y sont plus, ce serait bien. Si on ne peut pas les remettre à l'herbe, au moins qu'on leur cultive des dérivés de graminées légumineuses, qu'elles soient métayes pour une partie, qu'elles soient prairies pour une partie, qu'elles soient mélange luzernier graminées pour une autre partie. Je l'entends, parce que l'idée, c'est d'avoir à manger toute l'année. Donc on fasse une grosse partie avec de l'eau d'hiver, une partie de métayes, une partie de maïs, pourquoi pas, un peu moins importante, une partie de graminées légumineuses d'hiver et une partie de graminées légumineuses d'été, pas des luzernes pures, ça paraît pas incohérent. Il ne faut pas être que sur des luzernes, par exemple. Pour moi, ça, c'est souci. On le voit avec les moutons à la cône, par exemple. Puis si on peut les faire brouter, ben, c'est bien. Ça, on a vu. Alors, les sucres, on l'a vu tout à l'heure. Voilà comment ils évoluent dans la journée. Hein. Donc, essayez de les suivre. Ça va vous garantir peut-être une bonne conservation puis de bonnes valeurs alimentaires. Donc pour le faire, c'est facile. Hein. Vous êtes dans votre prairie. Vous ramassez l'herbe à la hauteur, vous allez la faucher. Donc normalement, vous êtes censé faucher à cette hauteur et pas à cette hauteur. D'accord? Donc vous êtes censé faucher à 7 cm, faucher l'après-midi et faucher, on va dire, à plus de 14-15% de Brix. Donc vous faites votre boulette, vous faites votre jus, mesurez le pH, mesurez le Brix. Si c'est oxydé, ben vous allez le voir tout de suite. Si c'est réduit, ben vous allez le voir tout de suite. Si elle est sucre, vous allez le voir tout de suite. Si le pH est bon ou trop bas, vous allez le voir tout de suite. Je dis simplement que si ton pH est très bas et que c'est oxydé, posez-vous déjà la question, au moment de la récolte, de la problématique mycotoxine. Ça va ? N'attendez pas d'ouvrir le silo pour vous poser des questions. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein ? Si tu fais ton jus de plante de ton jus de luzerne dactyle ou de ton ringratrèfle au moment de la récolte ou de ton métail et qu'il est déjà tout noir, tout oxydé, déjà le jus avec un pH acide, et il n'y a pas les sucres, moi je te dis que le risque mycotoxine, il est déjà là, déjà présent à la fauche, à l'entrée au silo. Donc, prends déjà des dispositions maintenant. Non ? Au moins déjà des analyses avant de donner à manger, d'accord ? Voilà, donc typiquement pour nous, ben, quand on va dans les fermes, ben, bien sûr, c'est des investigations normales. Est-ce que ça paraît conservé correctement ou pas? La température, le pH. Et puis bien entendu, ben, s'il y a des altérations,
On fait compter les levures et les moisissures, et puis les bactéries qu'il y a dans le fourrage. Évidemment, après, des grandes décisions s'imposent, est-ce qu'on continue d'en donner ou pas. Quand on est au pâturage ou quand on est au champ, on fait son réfractomètre pour quantifier les sucres et l'état d'oxydation de ces plantes. Voilà. Et après, on vérifie ce qui se passe sur les animaux. Bon, ben, c'est pas compliqué, vous commencez déjà par ce qui sort au trou du cul. Digéré, pas digéré, c'est le bon pH. Est-ce que ça se passe bien ou ça se passe pas bien, d'accord? Après, nous, ben, en bioélectronique, on a des critères à mesurer sur le sang, donc qui nous permettent de trancher sur ce qui se passe. Donc, on a des critères urinaires. Alors, ceux-là, vous pourrez les faire. Hein. Le pH, donc ça, l'équilibre. Ici, la densité, on en a parlé. Le Brix, on en a parlé. Ça vous renseigne si c'est à l'équilibre ou pas. Et puis, le lait, on en a parlé ensemble. Vous me faites un pH. Il est normal, il n'est pas bon. Et puis, il y a une densité qui est élevée, c'est que vos vaches, au niveau hydratation, au niveau eau, ça ne se passe pas bien. D'accord ? Et là, typiquement, dans cette configuration, il y a un risque mammite et cellule très important. Hein ? Après, on peut être amené à aller contrôler les fourrages. Alors, souvent, ce qu'on fait, ben, en arrière, si c'est un produit qui est humide, avec votre pH-mètre, vous pouvez le mesurer directement par contact, mais il faut de l'eau. Si le produit est sec, il faudra faire une petite préparation. Vous mélangez une part de fourrage dans 5 parts d'eau distillée, vous laissez décanter, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes, une heure, et puis après vous filtrez, puis à ce moment-là, vous pouvez mesurer votre pH. C'est ce qu'on fait sur les foins. On vous a fait une grille de lecture. Si je reçois le fourrage, je reçois des valeurs sur mon analyse, je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, si j'ai des doutes, je commence par fer, aluminium, puis les minéraux. Si c'est juste une lecture pour faire des calculs de ration, valeur alimentaire, valeur minérale, antioxydants, on s'assure qu'il n'y ait pas de merdasse dedans. Alors, si c'est une ration complète mélangée, souvent c'est plus simple. Tu prends ce qui sort de la mélangeuse, et puis tu envoies une ration mélangée, mais dans la ration mélangée, tu dois retrouver tes petits. Tu dois aussi avoir tes valeurs énergie-protéines, digestibilité, tes valeurs minérales, tes polluants et tes antioxydants. D'accord ? Et si tu as des problématiques, à ce moment-là, il faut reprendre des fourrages en individuel. Alors, ça rejoint ce qu'on a vu avec l'Américain tout à l'heure, qui nous disait qu'il y avait des problèmes de diminution sur certains éléments, principalement les oligolos. Vous étiez là quand il l'a fait ou pas ? Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que si vous lisez Sol, Herbe, Cancer, 1957, André Voisin, c'était déjà dedans. La déplétion en cuivre, la déplétion en magnésium des fourrages. C'était déjà écrit en France en 1957, hein, avec les incidences sur la santé humaine. Alors, on a eu une conférence ce matin, 57 à nos jours, ça fait un peu de temps, mais ça s'était déjà écrit. Alors, il y a de la littérature pour montrer effectivement la baisse, quelque part, des minéraux, la baisse des antioxydants dans les fourrages. Ce n'est pas un effet de dilution. Pour moi, c'est un effet d'avoir mis les sols en vrac, les plantes en vrac, les animaux en vrac. C'est une suroxydation du système que nous, on mesure bien en bioélectronique, hein, ou une acidification-oxydation, ou une alcalose oxydée qui a amené à l'épuisement des strates minérales et des strates oligo. Dès que tu as remis le système à l'équilibre, tu produis 2, 3, 4 tonnes de matière sèche de plus à l'hectare, tout en remontant les valeurs minérales et les valeurs oligo. Donc, ce n'est pas un phénomène de dilution, c'est principalement un phénomène d'oxydation et de perte des valeurs minérales, donc du système. Alors vous, quand vous allez recevoir l'analyse, vous avez fait une petite grille de lecture. Voilà, ça c'est une analyse LANO. Ben, je commence toujours comme ça. Alors, aluminium, ici, dans le rouge. A priorité, ça ne va pas être l'énergie, la protéine. Hein, moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, le fer, c'est comment? Là-haut, 1600 mg. Allez, dans le rouge, crac. Allez, garçon, la priorité n'est pas l'énergie, la protéine, c'est de mettre tout le système en sécurité. Alors, on va regarder les minéraux. C'est l'enrubanage, hein, de prairie. Hein. Le calcium, pas bon. Phosphore, pas bon. Magnésium, normal avec ces niveaux de métaux. La première priorité, on se débarrasse de ces merdasses. La deuxième priorité, on rééquilibre les minéraux. On remet à niveau les antioxydants, les oligos et les vitamines. La digestibilité, elle n'existe pas. Ça, c'est un fourrage pour faire des tas de fumier. Donc, après, dans un deuxième temps, on va reconstruire la ration pour produire, mais la priorité n'est pas de produire. La priorité, c'est de remettre les animaux en état de forme. Ça, un éleveur, il doit savoir faire ça. Hein. Le fourrage revient, le taux d'aluminium, il est bon, il est bon, il n'est pas bon, c'est dans le rouge, c'est dans l'orange. Le fer est dans le rouge et dans l'orange.
là, je dois faire quelque chose. Mes minéraux en face, ça ne va pas, ça, je dois ajuster. J'ai des oxydants, forcément, il va falloir que j'ajuste mes antioxydants, que je fasse une prise de sang sur des animaux pour quantifier les niveaux d'antioxydants. Là, tu as mille fois raison de faire un bilan, d'accord ? D'ajuster tes minéraux, d'ajuster tes antioxydants, tes vitamines, parce que si tu ne les ajustes pas, c'est là que tu auras des problèmes de santé sur tes animaux. Et après, on voit ce qu'on peut faire sur le plan énergétique et protéique pour faire produire. Si tu t'évertues à voir faire produire des vaches en mettant le carburant pour faire du lait, de la croissance, et que tu n'as pas sécurisé ça, je te dis que tu vas en tuer quelques-unes. Peut-être que c'est un problème de carence, mais peut-être que c'est un problème d'induction. Tu comprends ce que je veux dire ? Moi, je veux qu'un éleveur, il ait un schéma de travail logique. D'abord, je commence par ça. Un, je regarde mes polluants dans mes sols. Ça me renseigne que le sol est en vrac, et que tant que ce sol est en vrac, je ne vais pas pouvoir faire de la production de la biomasse, quelque chose pour nourrir mes animaux. Ma première priorité est de régler l'acide base, les minéraux, les oligos, les vitamines pour mettre mes animaux en sécurité. Je retends les courroies, je regonfle les pneus. Et une fois que j'ai fait ça, je peux remettre de la puissance. Mais si tu mets de la puissance et que tes pneus sont dégonflés, tes courroies sont détendues, je te dis que tu vas exploser le système. Ça vous paraît bien expliqué ou pas ça ? On commence par ça. Et si c'est comme ça, c'est que je dois vraiment aller regarder ce qui se passe sous mes pieds. Ça ne va pas s'arranger tout seul. Hein ? On est d'accord ? C'est bon pour vous ? Voilà. Puis alors, bien entendu, après, ben, il faut régler quand même ces cycles de fauche, faucher correctement, récolter au bon stade, faire attention aux matières sèches, faire attention aux conservateurs, pas conservateurs. Ça, c'est une discussion qu'il faut avoir, mais le pH de la plante peut vous renseigner sur la nécessité ou pas de mettre un conservateur. Faire ces silos correctement, on est d'accord ou pas ? On lave la vaisselle et on lave les bocaux avant de refaire des conserves. Hein ? Voilà. Alors, chez nous, en Suisse, quand on doit mettre un conservateur, on a une règle de décision. Tous les entrepreneurs en Suisse et en Belgique, ils ont ça. Si on doit aller récupérer un produit au champ, on a fait son Brix, on a fait son pH, s'il travaille correctement. Et en fonction de la teneur en matière sèche et du degré de maturité, on décide de mettre ou pas mettre et de mettre X, Y ou Z. D'accord ? C'est pas fait au petit bonheur la chance. D'accord ? Et bien entendu, après, il y a les règles de propreté et de récolte et de mettre des bâches qui ressemblent à des bâches. Alors sur le plan pH redox, le pH quantifie l'acidification d'un silo. Ça, c'est lié à la teneur en sucre et c'est lié à la teneur au pH de démarrage. On est d'accord ? Si ton pH était déjà très haut parce que tu as des taux de nitrate de pas possible et puis que tu n'as pas de sucre, exemple, luzerne pure. Le mec est super content, il a un beau champ de luzerne tout pur. Oh, la belle luzerne que voici. Et puis tu fais ton test, les sucres, ça n'existe pas, les taux de nitrate sont au plafond. Tu as un produit qui est ultra tamponné. Alors déjà, tu le presses, c'est peut-être brun ou noir, déjà oxydé, et puis c'est un pH qui est improbable. Soit tu mets ça sous silo, tu n'aides pas ça à la conservation. Ce que tu vas ouvrir, c'est un tas qui est tout noir et qui est tout oxydé. Tu fais de la bioélectronique de ça, ça ne s'est pas acidifié, c'est oxydé à mourir. Qu'est-ce que je fais de ça ? Méthaniseur. Si tu vas faire ton jus de luzerne, il est beau vert, t'en pleures tellement c'est beau. Le pH est à 6,5, les sucres sont à 20. Moi, je te dis que cette luzerne, tu vas arriver à l'acidifier, à la conserver. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas aléatoire, cette affaire. Il faut le mesurer un minimum. Toi, quand tu vas faire du métaillot au printemps, tu vas l'ensiler. Déjà, première règle, interdit de le laisser épiller. Hein. Tu vas plutôt trop tôt que trop tard. Donc, c'est pas d'épillant. Et ce n'est pas la troisième fleur du pois. On s'en fout la couleur de la légumineuse. Hein. Quand on va faucher une prairie, c'est pas la floraison du trèfle. Hein. C'est l'épillaison de la graminée. Ben, dans un métail, c'est pareil. C'est l'épillaison de la graminée la plus précoce. On fauche plutôt à 8 qu'à 7. Et tu vérifies. Oui, mais toi, tu as les bonnes mains. Tu as les mains pour le métail, toi. Donc, tu vérifies que ton pH est à 6,5. Tu vérifies que tes taux de sucre sont à 15. Roule. Si ton pH est trop bas, tu te souviens de ce que je t'ai dit. Ouh là là, les mycotoxines. Regarde le pied de tes plantes. Si c'est tout taché de champignons, tu sais que tu as des mycotoxines. Elles sont souvent au pied. Fais-moi plaisir. Remonte le lamier. Fauche plutôt à 10 qu'à 7. Parce que les toxines, elles sont au bas du pied. Tu as meilleur temps de les laisser au champ, celles-là. Tu comprends ce que je veux dire ? Et puis tu sais que si le pH est trop haut, et s'il n'y a pas les sucres, si tu ne mets pas du conservateur dans ton silo, à l'ouverture, ça va être un tas de fumier. Et tu n'en feras plus jamais de ta vie. Tu comprends qu'avec un maïs, tu as moins de chances d'avoir ce genre de bordel.
tu as une période où il fait souvent beau, tu n'as pas les mycotoxines au pied, tu as de l'amidon, si tu ne l'as pas récolté trop tard, tu as encore un peu de lait dedans, tu as quand même toutes tes conditions, le produit est déjà acide à la base, donc tu as moins de problèmes pour le conserver, quoi. Et puis après, le problème qui va se poser, c'est qu'à Métaille, si tu le laisses monter à épiaison, ton silo, ça devient un nid à rail à souris. Tu vas faire de l'élevage de souris. À Métaille, si tu le laisses épiller, ton tas et tes bottes d'enrubanée, ça devient un élevage de souris et de rats. Ben, c'est-à-dire que quand tu vas faucher, tu vas faucher. Tu prends plusieurs poignées à gauche et à droite, tu enlèves toutes les feuilles, parce que tu vas garder que les tiges, tu les coupes en petits morceaux, sur un métaille. Sur de l'herbe, tu n'as pas le choix, tu n'as que des feuilles. Alors tu fais une boulette, mais quand tu as des végétaux qui ont des tiges, forcément avec un métaille comme ça, tu vas avoir des tiges. Ou du colza, tu vas avoir des tiges. Tu coupes toutes les feuilles, tu vas couper en petits tubules. Donc, le haut de ta tige, c'est là, toi ce que tu veux, c'est la sève qui est dedans. Et puis tu vas couper ça en petits morceaux, tu mets ça dans ton pressail, tu presses le jus, tu regardes la couleur. Alors un métaille, ça doit être blanc. Un maïs, ça doit être blanc, sorgho, ça doit être blanc. De l'herbe, ça doit être chlorophyllien, ça doit être vert. Ça ne doit pas être marron, ça ne doit pas être noir, ça ne doit pas être cramoisi. D'accord ? Tu fais ton pH. Tu presses le jus, tu fais ton pH. Le pH, il doit être 6,5. Pas 5,8, pas 6, pas 6,2, puis pas 7. C'est beau, il y a le bon pH. Tu fais ton Brix, je mets 15%, roule. Toi, ce que tu veux, c'est la sève. Ouais. Alors, quand tu as de l'herbe, ben, tu n'as pas beaucoup de tiges. Donc, tu vas faire ton broyat de feuilles. Par contre, si tu fais un métaille qui est haut comme ça, ou si tu fais un maïs qui fait 4 mètres, tu vas enlever les feuilles et tu vas chercher la sève qui est dans la tige. Donc, tu vas la couper en petits morceaux, puis extraire le jus qui est dans ta tige. Maïs ancien, c'est pareil. On va couper en bas de la première pomme, on va enlever la pomme, on va enlever les feuilles, on va éplucher tout le bois pour avoir que la pulpe, et on va presser la pulpe. Et on va faire le sucre dans la pulpe de la canne. Ça va pour vous ? Si c'est juste de la petite herbe, tu le feras sur ta feuille. Ça va pour toi ? Ouais. C'est bon ? Et puis on s'assure qu'on a une conservation dans de bonnes conditions. D'accord ? Et alors, on ne peut plus avancer. Alors, on va avoir fini. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? La vache, sur le plan bioélectronique, c'est un être hydraté. Alors, vous avez vu qu'avec un réfractomètre, c'est oui ou c'est non. Hein. D'accord ? C'est un être qui est hydraté. La vache, c'est une vache qui est hyperhydrique. C'est pour ça qu'elle doit élever sur des terrains bien arrosés. Elle n'aime pas les terrains secs. Les terrains secs, c'est pour les chameaux, pour les chèvres et les moutons. Encore qu'il y a des moutons qui aiment bien plutôt les terrains arrosés. Mais bon. C'est une vache qui est plutôt potassique. C'est un être qui a besoin de beaucoup de potassium pour fonctionner. Donc déjà, quand on travaille paille, sorgho, maïs, soja, c'est compliqué. Ce ne sont pas les plantes les plus potassiques de la terre. Tu verras que le métaille, quand un maïs fait 9 ou 10 de potasse, un métaille fait 30, tu vas voir que ça va pisser un peu plus de lait, même si tu n'as pas les UF en face. Parce que ce n'est pas que les UF qui font le bilan des vaches. Parce qu'avec la potasse, tu sais hydrater une vache et sans, tu ne sais pas véhiculer l'eau. La vache, c'est un être protéique. C'est un être alcalin et réduit qui n'aime pas l'amidon. On lui en donne, mais pas forcément fait pour elle. Si on le fait, ce n'est pas grave, mais on en limite les quantités, puis on en limite la durée. Elle aime marcher, elle adore brouter, elle adore ruminer, ça lui donne du plaisir et du bien-être. Elle aime produire du lait, pour elle, pour son petit ou pour nous. Elle donne sa vie aux hommes, à condition qu'on la respecte. Alors si on la respecte, on fait attention au sol, aux plantes, aux animaux, on vérifie que ses paramètres biologiques, ils sont bons, puis on vérifie que les paramètres biologiques de ce qu'elle mange et de ce qu'elle boit, c'est correct. Elle nourrit le sol de carbone liquide, parce que si on mesure un brix urinaire, un homme est à 1%, une vache est à 4-5%, ça veut dire quoi ? Bien sûr qu'on lui donne des sucres, elle adore le sucre. Elle adore le sucre et pas l'amidon. Donc on lui donne des plantes sucrées, azotées, mais pas forcément de l'amidon. C'est pour ça qu'elle adore les betteraves. Elle adore les betteraves, les vaches. Elles aiment le sucre et la potasse. Et le calcium. Elle nourrit de carbone liquide. Quand elle chie derrière, elle redonne du carbone solide au sol. Je vous ai dit qu'elle restituait 80-85% de l'azote qui rentre. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'hydrogène et une légère acidité.
Donc elle nourrit le sol, à condition que la vache soit au pré. Bon, alors, après, si c'est l'hiver qu'on la dissocie du pré, on fait attention de protéger ses effluents d'élevage et puis de les amener correctement dans ses sols. D'accord ? Elle recycle le potassium à 95%. C'est des éléments qui sont si importants pour notre vie cellulaire à nous. Alors moi, je fais une très grande différence entre du lait d'une vache nourrie, métaille, herbes dérivées, herbagées, ça peut être des luzernes associées, peu importe, mais des dérivés herbagés riches en protéines, riches en potassium, riches en calcium. On ajoute l'énergie par d'acidose digestive et des sucres, et pas forcément par beaucoup d'amidon. Tu comprends le cheminement ? C'est ce que tu es en train de faire avec du bétail non épillé. Il sera sucré, azoté, potassique, mais pas amidonné. Et tu vas voir que même avec des UF en dessous, si tu as bien fait ton travail, ça va mieux marcher qu'avec de l'amidon. D'accord ? Important pour notre vie cellulaire. Donc ce lait-là, pour moi, il est bon pour ma santé. Du lait de maïs, riche en pauvre en protéines, pauvre en calcium, pauvre en potassium, inflammatoire, déshydratant, ça ne me va pas. Je n'ai pas dit qu'on ne donne pas de maïs, je dis qu'on en réduit les quantités. Et en plus, la restitution au sol n'est quand même pas la même. D'accord ? Elle fixe ça dans ses os et sécrète dans son lait du calcium et du phosphore. Bon, finalement, moi, cette vache-là, j'ai envie de lui dire, ben, déjà à vous, merci de votre patience. Merci à Vert de Terre. Merci à Laurence Gallet qui nous a enseigné la bioélectronique, même s'il a fallu faire le travail de compréhension, d'adaptation sur les animaux, même si on a encore bien du travail à faire là-dessus. Merci à Olivier Husson qui nous a ouvert sur les interactions sol-plante et la bioélectronique des sols. Merci à toi la vache qui prend tellement de place dans ma vie et dans vos vies à nous et puis qui apporte tant à nos enfants et à tous les enfants de la terre. Alors nom de chien, qu'on lui foute la plaie à cette vache. D'accord ou pas ? Ça vous va ? Et puis on va tâcher d'expliquer ça aux grands Manitou qui sont aux règnes du pouvoir. Hein ? Il vaut peut-être mieux des ruminants et de l'herbe et du bétail que des cochons et des poules en Bretagne. Parce qu'on est en Bretagne, on m'explique chaque fois qu'on y va que c'est ces champs qu'on ne peut pas faire d'herbe. Alors ça. Moi qui ai l'habitude d'aller travailler sur les causes du Lot et les causes du Larzac, quand on m'explique qu'en Bretagne, on ne peut pas faire d'herbe parce que c'est ces champs et qu'on est à 15 km de la mer, en climat océanique, alors là, j'ai du mal. Là, moi. Non ? Pas vous ?